Come here! Manu, j'ai besoin d'un soutien aérien. Tu me reçois? Respecte mon autorité! Respecte mon autorité! On n'a pas le temps. Comment ça va? C'est sorti. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on entend, les gars? Comment ça va? Ouvrez, on en a gros! Carrément! On en a gros. C'est là! C'est parti! Comment ça va les lapins? On est venu pour ça là. Ça là. Tout ça là. Tout ça là. Ouais. Ça y est! On y va, hein? On n'a pas le temps d'attendre. Pas le temps! Sadako est arrivé, elle est là! When you were a kid. Qui me parle? Qui parle? Mais qui parle là-dessus? Non mais vraiment là. Il y a quelqu'un qui est en train de parler sur Steam. Ou pas d'autre chose. Le podcast de quoi? Non mais c'est une blague là. Il se met à parler sur mon live. Non mais en plus, là c'est insane. C'est ça en fait. Mais on t'a rien demandé en fait. C'est qui? Ça dégage. Let's go. Mais c'est ouf ça. Mais qu'est-ce que tu viens faire là? C'est ouf ça, mais fermez vos gueules les gars. En fait, j'ai pas besoin de vous.
What? Mais non, je veux pas que tu interviennes là, là. Tu sors, mec, live avec Eric from Retro Gaming Pandemic. Mais ouais, je dégage live, truc. Supprimé. Il est fou, lui. Ah ouais, non, mais plus jamais je mets de trucs de web, là. De navigateur dans OBS. What the fuck? Le mec, il est là, peinard, il est chez lui. Comment ça va, Zakata? Toi, t'as le droit d'être là. Toi, t'as le droit d'être là. Le mec, il me parle, là, de son live de je sais pas quoi. Oh, on n'est pas là pour ça, mec. On est là pour DBD. Comment ça va, Zakata? Let's go! Allez, on laisse la place au bon son. On va avoir notre petite... Mais qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, je lance le live et tu sais, j'avais ouvert une fenêtre YouTube pour vous montrer hier le trailer de Sadako. Et là, en lançant OBS, en fait, ça m'a ouvert sur une autre page. J'entendais des mecs parler en anglais. C'était un live sur je sais pas quoi. Rien à voir avec DBD en plus. Donc j'ai shooté la source et puis voilà. J'ai mis 2 minutes là à comprendre ce qui se passait. Là. Donc ça va, ça va, ça va. No stress, c'était juste... voilà, une source qu'il faut, qui devrait se désactiver lorsqu'elle n'est pas visible. C'est pas grave. Nous, on est là pour Sadako qui est arrivé. Regardez un petit peu la petite vidéo habituelle lorsqu'il y a un nouveau chapitre depuis 17h. Ah ouais, donc il a fallu que je le télécharge, hein, je le savais. Ah non, il n'y a pas la vidéo. Je l'ai eu 3 fois avant de lancer le live. Vas-y! Tiens d'ailleurs, ça me fait penser le Wiggle. J'ai pas envie de le garder, ça. Ouais, c'est vrai que ça fait moins. En place interaction, c'est des batailles. Et quoi? Ouais, il n'y a plus de... Ouais, il n'y a plus de... J'en ai pas, on est d'accord. Il n'y a même plus de sous-sous, quoi. Mais vas-y, moi, je disais que tu me payes pas ça, quoi. Non, je sais pas. On va la garder, mais je suis pas fan de ce game. On y va, hein. C'est parti, hein. Relance ce jeu, tu vas l'avoir normalement. Mais ça fait 3 fois que je le relance. Ça fait 3 fois, je l'ai eu 3 fois, sauf là. J'ai relancé Steam en pensant que c'était... des fois, ça arrive, des podcasts de Steam. Bref, c'est pas grave. Moi, je veux, c'est jouer. Donc, il y a eu un petit peu d'attente parce qu'il a fallu le télécharger. Et puis, voilà. Hein. Voilà, c'est fait. Hein. Je l'ai fait avant pour pas que ce soit trop long. Je l'ai acheté. Je l'ai monté niveau 40. Et il n'y a plus qu'à choisir les petites perks qu'on va mettre. Avoir endommagé un générateur, cette compétence active pendant 60 secondes. Le générateur régresse à 200% de la vitesse normale de régression. On va essayer de faire une... voilà, le crochet flagellateur. Début de la partie, 81. Le survivant est libéré d'un crochet flagellateur. L'aura de tous les survivants est révélée pendant 7 secondes. On va prendre ça, parce que j'ai pas encore Chili Barbuck. Et la troisième, elle doit être en vert, je suppose. Sadako, tempête impitoyable. Non, oui. Quand un générateur atteint 90 de progression, les survivants qui travaillent sur ce générateur se retrouvent confrontés à des tests d'habilité en continu s'ils en atteignent ou interrompent leur réparation. Le générateur est bloqué par l'entité. On va faire la base. Les 3 perks de Sadako. Tiens, d'ailleurs, comment ils l'ont décrite? Encore 3 plombs. Ouais, voilà. Ah, difficile, donc. D'accord. Ok. Ça y est, tu l'as acheté ou tu vas l'acheter? Moi, c'est fait. On y va. On prend une petite banderole pour démarrer. On va pas mettre de trucs particuliers. On va voir si... c'était quand? Il y a 2-3 semaines, là? Non, plus, peut-être. Le PTB, je me souviens plus, 3 semaines, non, 15 jours, 3 semaines, ouais. On va voir si s'il m'en reste un peu. Je suis en train de l'acheter. Yeah.
Yes. Et ça va, il est à 7€ le DLC, c'est cool. Bon, il n'y a pas de map, hein, c'est que un tueur, un survivant. 7€, ça va. 7€, je crois. Ouais, 7€. Et sur Instant Gaming, il n'y avait plus rien. Attends, je vérifie. Oui ou pas, du stock. Est-ce que c'est parce que d'office, ils l'ont pas mis tout de suite, ou est-ce qu'il a été dévalisé en préco? Des fois, ils remettent une heure ou deux après que ce soit... Non, il est toujours hors stock. Donc, ils ont dû se ruer, les gars. Il était à... Ouais, du coup, on peut pas savoir combien... Ouais, il y avait 800 personnes sur la page, là, il y en a plus que 400. Ça a diminué. Ouais. C'est si long à trouver une partie? Alors, non, je l'ai pas pris, le skin en plus de Sadako, je le trouve pas... Oh, il est pas ouf, quoi. Ils ont fait un skin pour Yoichi aussi, bof. Oh, le skin de Sadako, c'est elle en squelette, mort-vivante. Ouais. On verra plus tard s'ils en font d'autres. Allez, ça va pas faire comme le PTB, là. Quand même. On n'a pas eu de jumpscare encore. Hein. On n'a pas eu. Bon, comment ça va, Zach? La forme, bonne petite journée. Voilà, c'est fait. Il l'a, Zakata. C'est la première fois que tu vas jouer avec ou... Je me souviens plus si t'avais le PTB ou pas. À chaque fois, je sais plus sur quelle machine vous êtes. Ça a été, ouais, tranquille. Moi, ça a été... bonne petite journée. Un peu fatigante, mais... Ah, ça va être la première fois. Et Zakata qui verse 7070 Paps Coin. Et on doit être à 70-72%. Ah, dis donc, 69. 69% pour la cagnotte. Ah, tu me donneras tes impressions du gameplay. Alors, non, pas 3 heures. En fait, ça y est, tout le monde joue tueur, quoi. Tout le monde, ça y est, devient tueur. Là, tu joues en survivant. Voilà, tu vois, ça va me faire mentir. Tu joues en survivant, là, la game, t'as 3 secondes d'attente. Tu peux me dire comment bien la jouer? Alors, profite des... Le truc qu'il faut, c'est... profiter des téléviseurs, des téléportations. Ou je sais pas combien de secondes après le début de la game, t'auras les télévisions et je crois que ça sera comme Freddy, moi c'est contrôle pour te TP sur les téléviseurs. Pourquoi? Salut Matt, comment ça va? Tout le monde est là pour la sortie de Rising Sadako, Sadako Rising plutôt. Vraiment, tu fais de la TP. Ça y est, tout le monde là. Zach vient de le prendre. Matt là déjà. Moi aussi, on est parti. La game. Hop, on fait pas attendre les petits survivants. Il y a deux Yoichi. Une Fangmin. Ouais, tu te téléportes un maximum. Pourquoi? Parce que quand tu te téléportes, tu condamnes tes survivants qui sont à 15 mètres autour de la télé. La télé est très souvent proche d'un générateur. Donc ça te fait aller plus vite sur la map. Et en plus, tu peux déjà avancer sur ce qui s'appelle la condamnation. C'est-à-dire que plus ton survivant est condamné, plus tu peux le mourir vite. Après le premier hook, je crois.
mais ça te permet de le tomber. Tu vas voir. Vraiment, téléporte, téléporte, téléporte. Tu te téléportes, il n'y a personne autour. Boum, tu suis un autre. Je ne sais plus, il ne faut pas longtemps pour que les télés se rechargent. Voilà. Après, il va falloir qu'on réfléchisse. Moi, perso, je vais le faire aussi. À quels seraient les meilleurs builds pour elle. J'ai eu 2-3 idées qui pourraient être intéressantes. J'ai acheté le skin de Yoichi. Ah ouais, j'ai pas trouvé beau les skins Yoichi et Sadako. Je l'ai acheté le DLC avec le Cenobite et j'ai acheté le skin du farceur à 15€. Il s'est fait plaisir. Le skin de Sadako, j'ai failli le prendre tout à l'heure. Je dis ouais, allez, pour voir, mais faudrait que je le voie in-game parce que franchement, comme ça, juste le squelette, bof, tu vois. Yoichi, ouais. Non, j'ai pas accroché sur les skins. Allez, c'est parti, ça faisait longtemps que je me remémore aussi. Alors, ah oui, se manifester. Le but, c'est de se manifester le plus tard possible, bien sûr. Parce que, en plus, quand tu te TP, tu as un petit boost de vitesse. Voilà, va claquer la palette, enfin ouais, si elle y pense. Ah, regarde, tu vas voir, on va l'amener là-bas. Je peux pas encore me TP. Ok. Pourquoi je peux pas encore me TP? Alors, un petit flagellateur là-bas. Ok, allez. Ah oui, c'est vrai, il faut se planquer pour se TP. Voilà. Ah, et on se démanifeste en sortant de l'atelier. Hein. Là, il y a quelqu'un qui bosse. Ok, on tape. Oui, tu es mon lapinou. C'est très bien joué, quoi. Il est là, il est au-dessus. Oui, il claque la palette, ok. On se planque. Pourquoi? Pour TP un max. Ah. Par contre, faut se retrouver. Hein. Salut toi! Je me doutais qu'il y avait quelqu'un par là. Hop, on va se mettre là, gars. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il veut jouer au cache-cache. Allons-y. Un crochet blanc. Non, on va le mettre là. Tu vois, un petit chili barbecue, ça serait bien. Il y a quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un là. Qui a bossé? Non, ils n'ont pas osé. Je sais pas où tu es, mais... J'ai peut-être une idée, non? Quelqu'un à droite? Ok, on y va. Non, quelqu'un sur le gène, puisque... Voilà, ça leur bloque le gène. Il y a quelqu'un qui est passé par là.
Il est là, petit Yoichi. Il va prendre la palette, oui. En même temps, gros fanboy de The Ring. C'est cool ça, les gars. Il va où? Où est-ce qu'il y a une télé de dispo? Pas grave. On tape. Eh oui, ma beauté, t'es là. Tu reviens sur les lieux du crime de tout à l'heure où je t'ai claqué la bouche? Elle m'a eu. Elle m'a complètement eu. Yoichi, il est où? Ah, j'ai entendu sonner, trop tard. C'est ça le souci, c'est que c'est lancé quoi. Tu prends la cassette, ma beauté. Faut taille faire en sorte de ne plus être condamné, chérie. Joli, je l'avais oublié celle-là, je pensais que je l'avais tombé. Elle doit aller vers une télé, je suppose que c'est celle-là. On va voir. Elle est là, bébé. Ok. Voilà, parfait. Aïe, 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 il y a quelqu'un qui vient. Pourquoi tu fais la lampe? T'es con. T'avais 20 000 façons de la sauver. Pas la lampe. Est-ce que je vais y arriver? Oui. On va là-bas. Ça bosse dur ici. Le tour est joué aussi, ça serait bien. Où est-ce que c'est parti tout ça? Là, dites donc. La longe a l'air d'être un peu plus longue que ce qu'ils avaient mis en PTB parce que c'était pas du luxe. Donc lui, il va, voilà. Vas-y, vas-y, amuse-toi bien. Pas de télé dans le coin, donc ça va pas me servir. Oh, c'est con. Là, il y a du monde. Ah oui, dis donc. Petite fingue, là. Et qui va me clic-clic. C'était toi qui clic-clic de toute façon. Ok. Là-bas, je dis. Là, ça a plus bossé depuis un moment. Ah. Ça a repris plutôt. Ça a repris. Attention, il me reste deux gènes. Hein. Ça bosse à l'intérieur, bien sûr. Ok, ça se soigne pas. Eh oui, mais tu vas tomber. Bichette, crochet blanc juste là, personne pour éclairer, c'est parfait. On va là-bas.
Je vais faire du... Oh! Commence à faire mal, là. Mais non, faut pas faire ça, mec. Et celle qui a fini le jeûne, ici. Elle est où? Parti par là, lui. Ok. Pourquoi tu fais ça, mec? Ok. Plus proche est là, je crois. Il y a un Yoichi juste là. Là, on va faire genre on l'a pas vu. Un autre ici. Dommage. Ouais, mais si tu fais ça, mec... Hein? Oh, je me suis fait avoir. Ouais. Ouais, vas-y. La paletas. Ok, l'autre est là-bas, hein. Me semblait l'avoir vu. Ok, l'autre crochet blanc le plus proche. Il est là-bas. Où est-ce qu'il est parti, lui? Il est parti où? Ah putain, t'es allé vite, toi, comment c'est possible? Et bonsoir, nouveau follow, effectivement! S'il y en a, mais j'ai pas vu! Tellement hypé! Donc là, il va vraiment falloir... C'est le trigène là. Ok, ça bosse là. Ça doit soigner par là, non? Non! Pas celle-là. Ah, ça doit être là. Non, même pas. Ok, j'ai plus de quoi me projeter là-bas. Où est-ce qu'ils sont, les petits lapinos? Qu'est-ce qu'ils me font tous les deux là? Ça se planque les gars. Ça bosse, voilà. Pourquoi tu te laisses faire comme ça? Dans la maison? Ok, tu m'éloignes. On est bien d'accord. Bien joué.
Où es-tu, Yoichi? Dommage. Il est où? Juste là que je suis obligé, il se planque. Il est soigné. Ok. Il est auto-soigné. Ah, j'aime pas ça, les gars. Ma vengeance sera terrible, vous savez. Ils ont abandonné celui-là. Où est-ce qu'ils sont partis, les gaziers, là? Il y a les télés qui s'allument, qui s'éteignent. J'aime bien le son, on entend vraiment les vieilles télés des années 80-90. Alors, les gars? Vous attendez quoi? Que je craque. C'est ouf ça, les gars. Oh. Alors les gars, si vous êtes comme ça, moi je suis pas sûr. Vraiment patient. Je pense que il y a que ma connexion qui peut me faire arrêter. Voilà. Oui. Et ça. Allez, regarde. Vous voulez jouer au couillon tous les deux? Pas de problème. Il y a quelqu'un là? Votre réflexe à tous les deux, c'est partir là-bas, c'est ça? Oh joli. Oh joli, il a cassé un totem. On y va tout de suite.
Game over, Yoichi. Game over. Allez, viens. Je peux pas en tuer là, non. J'ai un problème, je peux plus. Oh non. Je l'ai laissé où l'autre? Ah si, je l'ai plus. Ah. Bonjour, mon petit Yoichi. Voilà, on a fait la maîtrise de l'Onryo, première game, l'entraînement du PTB était nécessaire. C'est cool. Là, ça kill. Oui, attends, qu'est-ce que tu me dis? Alors, comment ça a été pour vous les gars? Oui, maîtrise de l'Onryo direct, c'est cool quoi. Désolé, j'étais focus. Hein, vous savez, quand je suis killer, c'est chaud le stream, je vous délaisse les lapins. J'ai acheté... Ouais, Zach, moi je suis pas fan, je préfère au naturel. En fait, c'est Sadako en mode pourri décomposé. Je n'avais pas pensé, mais c'est stylé de fou. Bah, écoute, ouais, tu vois, c'est une question de goût. Si je parle pas, c'est que je suis en game et t'inquiète, je t'entends. Ok, Zach, merci. En même temps, Matt, en mode gros fanboy de The Ring. Eh oui, Matt, il est chaud. Bon, zéro kill pour ma part. Et pas évident au début. Pas évident au début. C'est un... Don't worry. Après, t'es pas au même niveau que moi aussi. Je pense que t'es au-dessus, donc c'est peut-être plus compliqué. Bonsoir au nouveau follow. Mais il n'y a pas eu de nouveau follow, là, si, pendant le... Non, il n'y a pas eu de nouveau follow. C'est pas une nouvelle fois. Petite question. Vous utilisez Spotify? Je l'utilise plus. Je suis petit à petit en train de passer tous mes morceaux sur iTunes. Je reviens au classique parce que bah, Spotify, j'ai pas envie de payer l'abonnement, quoi, si tu veux. Pendant le stream, t'as vu, ça fait des pubs et tout. Non. Donc, ouais. Et puis, ça prend de la bande passante, en fait, parce que ça télécharge les morceaux non-stop, tu vois. Donc pour le stream, je préfère avoir mes morceaux sur le PC. Mais je l'ai sur le téléphone, par exemple, Spotify, tu vois. En craqué, et ça se passe bien. Pourquoi? Car là, j'ai un problème, je peux plus me connecter dessus. Ah, il y a peut-être une maintenance sur les serveurs, fais voir. Tu vas faire quelques games encore en public. C'est-à-dire en public avec vous, tu peux dire les game viewers. Ah tiens, ouais, moi ça me remet le... Sur le téléphone, ça me demande le mot de passe. Bon, étonnant. Du coup, je peux pas lancer non plus. Hein. Je garde tous les bits de bande passante, je les garde. Hein. Mais peut-être qu'il y a un souci, il faut regarder l'état des serveurs. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah, j'ai pas eu le temps de leur dire GG. Ils ont été un peu... Ah d'accord. Niveau irisé, c'était qui les Yoichi là? Pandora et Shadow? Pandora, Shadow. Ok, tous les deux là à la fin? Théorie ténébreuse. Maintenez enfoncé le bouton de capacité près d'un totem passif, ouais. Tout survivant dans le rayon du totem de munitions vient d'un effet statique de rapidité. Connexion empathique. Ah, ils essayaient de faire la... Désolé. Ils essayaient de faire la maîtrise directe, tous les deux. Ouais. Bon. Il y avait... Oui, sur 6, ça m'étonne toujours. C'est Borrow Time, à force de l'entendre. Il y avait un Borrow Time, ok. Mais il a pas des hooks, lui, pourtant. Si, c'était peut-être lui, Jake. Non, c'était Feng. Ah, voilà, 3 kills, c'est bon ça. Ah oui, tiens, faut que je les compte, moi aussi. Première game tueur. 2.
4 kills. Bon, bonne petite game pour démarrer. Allez, on va commencer à regarder un petit peu les perks. La musique est un peu forte, peut-être. Peut-être. Voilà, comme ça. Ah, ah, cette sortie du puits. Voilà, je commence à avoir les réflexes. Eh ben, dis donc, deux games, c'est cool. Alors, la TP, c'est bien ou pas, t'as vu? Moi, je trouve qu'il manque quand même quelque chose dans les perks. Il faudrait un petit chili barbecue. Ah, tiens, le tour est joué. On va le mettre. Ça, c'est... Là, il y a maintenant, avec... Appel de la mer. Ça, c'est pas très utile, hein. Franchement, flot de rage de voir pendant cette... Ça m'a servi deux fois, c'est vrai, bon... Mais de voir ceux qui sont proches du crochet quand il y a un déhook, bon... mais là, rien que... Ah, mangeur d'espoir, tiens... Par contre, voilà, ils ont pas trop joué avec les télés, et tant que tu touches pas les télés, en fait... Y a pas de risque de te faire mourir, quoi. On va tenter un build vraiment de contre les générateurs. Quand un réparateur atteint 90% les survivants, voilà, ça c'est vraiment, on fait des QTE. Ça, on va l'enlever, on va mettre. Après avoir ramassé, tous les générateurs sont réparés, sont bloqués. Voilà, on va bloquer du générateur, tu vois. Régression de générateur, blocage de générateur quand je ramasse. Le petit jumpscare. On a Tempête Impitoyable qui, un peu comme réparateur, sauf que là, ça envoie pas un signal, mais ça peut en créer un puisque QTE non-stop. C'est ça que je voudrais essayer. C'est un petit truc, tu vois. Faut que ça complique un peu. Ouais. Ça, c'est pour la guérison, mangeur d'espoir. Surcharge aussi, hein. Là, on peut ralentir vachement, je pense, les générateurs. Impasse. Ça aussi. J'ai que des perks anti-réparation. Ok, Stridor. On peut tenter ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme... Ouais, non, ceux qui ont une cassette, pas intéressant. Ouais. Ah, ça c'est bien. On va leur faire commencer la partie avec une cassette. Ha 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 ha. Les survivants condamnés propagent condamnation aux autres survivants. Ouh, ça peut être rigolo. On va voir ce que ça donne, ce petit build. On va voir ce que ça donne. Là, vraiment, c'est tout... Si je vois l'aura d'un générateur... Chaque fois qu'un survivant réussit un bon test d'habilité sur un générateur affecté... Ah, c'est quand il réussit, c'est ça ? Ça alors, c'est rigolo, je vais avoir une paire qui va faire régresser la vitesse de... Quoi ? Si je tape, voilà, ok, ça va augmenter.
Ouais. Il augmente, la régression est plus rapide, elle est deux fois plus rapide quand je tape un générateur. Putain, ça. Il est dans sa direction, je me suis TP devant lui et j'ai tué. Voilà. Et boum. Et c'est pour ça que j'aime bien ça aussi sur l'Unrio. C'est un peu pareil. Ok, là c'est pour mettre des statues différentes proches des télés. Ah, ça augmente la vitesse de déplacement après une projection de 50%, encore plus vite. Okay. Réduit le temps qu'il faut au survivant pour gagner condamnation de 12%. Ah, donc là, ça accélère le temps de condamnation. Tu leur mets ça dans la main, plus accélère. Ah, on va peut-être mettre ça à la place. Ouais. On va mettre ça de... Ouais. Après on fera ça. Réduire le temps de recharge des télés. Ah, c'est parti. Yes. Matt, t'es en train de jouer là ou t'es toujours avec ton souci de Spotify là? Alors on a qui? Marlock, Mist, Gaming, NR Gaming YouTube? NR Gaming YouTube? Ah ouais? On ira voir ça? Ah non, on ira pas voir ça. Qu'est-ce qu'il y a comme message sur Steam? Il m'appelle. Non? Oui? Non? Peut-être? Non. Et moi ou... Les filtres de jeu là sont trop forts. Marlock, My Kitty, Dash Asda, Sansa Starks, 85. Ah là là, je suis content. Un nouveau tueur qui me plaît là. Après, il est pas ouf hein, quand même hein. C'est facilement contrable. Tiens, je vais faire une game après. Parce que là, c'est sûr, on va tomber contre des... J'en avais fait que très, très peu, je crois. 3 ou 4 parties, je crois, avec Yoichi. On va voir. Ouh là là. J'ai pas encore remis tous les morceaux que je voulais mettre, hein. Je les ai pris dans l'ordre. Je reprends la liste de Spotify, en fait, et c'est pas forcément les meilleurs. C'est bien, mais là, je j'ai pas envie. Ça aussi, c'est vieux. Non. C'est tout récent, ça. Ouais. Du coup, ils ont... Voilà, sur la team d'avant, là, ils ont compris qu'il fallait pas trop toucher aux cassettes. En fait, je pense qu'il faut pas s'emmerder avec ça hein, quand t'es survivant. Vraiment pas. Oh, le vieux jeu, quoi. Non. Bon, de toute façon, on va lancer la game.
Ouais. Ça, c'est une bonne musique pour des BD. J'ai déjà dit, peut-être. Hein. Ouais, je peux radoter. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis yeuve, les gars. Non, je suis pas vieux, en fait. Je suis pas vieux, vraiment. 43 piges, ça va, wesh. Ouh, mais ça va, wesh. Allez, on y va. C'est parti. Ah oui, je suis tueur. Allez, hop, hop, hop. Casse les portes. À se mettre en hauteur pour voir un peu. Puis des fois, il y en a qui sont là. J'ai entendu du bruit. Merci, merci Varg qui nous fait un petit raid pour ce super événement de ce soir. Alors Varg, t'as dû poncer le jeu. J'en suis à ma deuxième petite game là. Merci pour le follow. Bon appétit, des gros bisous à toi mon cher Varg, merci beaucoup. Il est parti par là, le petit Yoichi. Il est là, Yoichi, oui. Faut que j'arrête moi avec ce réflexe de me prendre les palettes. À la Freddy, là, tu sais. Ok, ok. La longe est pas ouf. Non, je pense qu'ils ont rallongé la longe de notre cher ami. J'ai pas un petit crochet blanc, là, dans le coin. Et bonsoir, Patriga64. Comment ça va? Il y avait du monde là-bas. Donc là, on a mis des perles, regardez. On a accroché quelqu'un. Du coup, moi, je peux pas le taper non plus. Bonjour. Sacré Léon, va, tu nous fais une petite farçonnette. Le build anti-générateur, on va voir ce que ça donne. Hein. Viens là, mon beau. Viens là. Oui, oui, tu vas prendre la fenêtre. Bonjour. Ah ouais, c'est juste un petit peu téléphoné, quoi. Ça, c'est pour tes copains, s'ils veulent venir te flash. Comment ça va, Patriga? La forme? Qu'est-ce que t'en penses de ce petit tueur? Par la taille? Ce nouveau DLC. Let's go. Vous voyez, on a toujours 5 gènes. Là-bas, c'est bloqué. Celui-là, non. On va le taper. Oh, j'ai tapé, quoi. C'est pas ouf, quand même. On va se mettre là-bas. Parce que ça veut dire qu'il y a du monde. J'aurais pas dû regarder là. Merci pour le follow. Bonjour, Kate. Oui, Yoichi. Allez, on y va, hein, les enfants, hein. Désolé, ma chère. Oui, claque la palette. Et merci, Bruno, pour le follow. Merci, Mary. Merci beaucoup, les lapins. J'espère que vous allez bien. Vous avez dû passer un super live avec notre cher Varg. J'espère que vous allez vous amuser. C'est parti. Ok, rebloqué, donc ce gène, ça m'arrange aussi. Alors, c'est vrai que... Il faut TP. Il faut TP le plus possible. Hop. Celui-là, c'est arrêté. Il y a quelqu'un là-haut. Ok. Pourquoi j'ai un là-haut? Plus rapide. Passer par là. Il est là-haut, hein. C'est mon petit Léon. Il est passé par là. Il aime bien les fenêtres, le petit Léon. Il aime bien. Il aime bien ça. Ouais, là, je me fais allumer. Là, là. Il y a un truc qui... Il y a une coronesse dans la soupasse. Oh mince, oui, t'étais pas soigné, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont la cassette. Je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas capté. Putain, mais je suis couillon. Merci
Merci pour le follow. Je leur mets la cassette dans les mains dès le début. Je m'étonne que ça fasse l'instinct du tueur. Ah là là, il y a une petite Meg là, si je la trouve. Donc ça, il y avait du mouvement par là. Merci pour le follow. Merci pour le follow, Castiel. Merci pour le follow, Elder. Merci pour le follow. Oh, c'est ma chérie, ça. C'est toi qui étais condamné, t'as raison, fuis. Bah, joli. J'ai claqué la palette. Non, 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 tu me la casses, cette palette-là. Ouais, t'es parti où, là? Bonjour. Tiens, beau ciré jaune. Tiens, on a notre ami Léon, là. Il voulait prendre la fenêtre, puis il aime bien les fenêtres, Léon. On va le laisser tranquille, hein, parce qu'il se soigne pas, mais... Ça commence à bien suffire. Yoichi, Yoichi, le champion, le champion. Oui. Hop. C'est ouvert là-bas, le balcon. Ah, mais j'ai... Il est vrai? Juste là? Oh, le bruit qu'il fait, Yoichi. Ok. Merci tout le monde. Ouh, toi, tu me viens pour mon petit chéri. Viens là, ma petite mug. La longe a été vraiment revue à la hausse. Comment ça va, Lurtz? Merci pour ton follow. Merci pour ton follow. Je vais prendre le temps de vous remercier tous. Les petits là. Les poulets de chez Varg viennent chez les lapins de Gaming Papa. Ça a fait zizir. On s'est peut-être déjà croisé 2-3 fois sur le chat chez Varg. Alors, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Elle va prendre la fenêtre. Qu'est-ce que tu nous fais, Meg? Bon, elle a plus, elle est plus condamnée, hein. Ok, ça déhook. Oh! J'ai eu un petit coup de pression, là. C'est bien joué. C'est bien joué, ma Kate. Qui va me clic-clic? Il n'y a personne qui clic-clic? Bon, je me fais quand même allumer, hein, le... Salut, Léon. Léon, il cherche, je pense. Allez, on va tenter le diable, regarde. Hop. Il cherche une trousse. Il cherche quelqu'un pour te soigner, le pauvre Léon. Hop, on va aller voir la télé là-bas. Oui, mon lapin. Ah, il ramasse les radis, lui. On va se lever quelques instants, parce que c'est Léon, quand même, oui. Allez, vas-y, mon lapin. Vas-y, moi, je vais passer par là. Puis toi, tu vas faire ça. Voilà. C'est très bien joué, mon lapin. C'est bien, tu vas déhook ta copse. T'as raison, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hop. Coucou. Ah, désolé, je voulais taper le jaune. Hop. C'est toi que je voulais taper. On va laisser Meg par terre. Qu'elle se fasse soigner. Faut pas que je cherche les crochets blancs depuis tout à l'heure. J'ai ce réflexe-là. Alors. On a notre premier kill. Là-bas, on a un gène qui n'a pas été fait. On est dans la cabane, là, non? Voilà, celui-là, il est bloqué. Il y a Kate qui nous cherche du regard. On est là, Kate. Ma chérie, viens là, ma chérie. Ma petite Kate. Oh, 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 ça m'intéresse. Ça... intéresse-moi. Ça plaît bien à moi. Et t'es où? C'est la prendre pour une... Où est-ce qu'elle est? Je l'ai vu passer. C'est Kate, ça. Elle est en haut. Thank you.
Je perds la game là, je pense. Je la perds clairement là. Ouais. Paye ton saut. Que tu joues bien, Kay. Tu joues très bien. C'est bien joué, ça, ma chérie. Je me doutais que ça passerait pas pour toi. Hein. Je suis navré. Aïe, 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 c'est ce qu'il faut. De quoi c'est ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut donc? Meg, elle est joueuse, c'est bien, elle prend les... Ok. Parti où? Et mais... Voilà, ma beauté. Ok. Normal, trop rapide pour moi. Désolé, hein, mais je peux pas m'empêcher. C'est ma préférée, Kate. Mais voilà, je la harcèle pas non plus. C'est ce qu'il faut. Pourquoi les lapins? C'est long pour trouver des game tueurs un peu... ouais, carrément, ouais. Ça va se calmer, hein, d'ici quelques temps, mais... Coucou ma beauté. Allez, un petit tour chacun. Ok, ça claque là-bas. Ouais, désolé, mais... Telefonato. Ah, c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on aille bien. Bah, j'espère, les gars. Oh. C'est en train de bosser à côté. Ouais. C'était sûr que j'allais le perdre celui-là. On va là-bas. C'est pas sur cette télé que j'aurais dû aller. Toujours pas. Ah, ça soigne par là? Non, je me suis fait... Je me suis... C'est les bruits sur cette map, on dirait des... Ok. C'était Meg que j'avais accroché. Donc là, il y a Meg et Kate qui font la game. Et Léon, il en a eu marre, le pauvre. Bon, alors, je te lapin. Oui, c'est bien, ma petite Kate. C'est très bien, ça. Vas-y, passe. Aïe, t'as loupé la marche. Ton avance est terminée. Léon, tu serais pas là par hasard. Non. Tu serais pas là par hasard. Léon, t'es où? Il est où, Léon? Reviens, Léon! C'est vrai, ça? Je sais pas où le mettre. J'ai un colis, là. Je sais pas où le foutre. Allez, faut que ça tienne. Oh là là, le détour! Ah ouais, ça a bossé sur celui-là, donc. Hop, elle est là. T'es pas soigné? Ah non. Mais non, on fait le tour là où il y a la... Léon, à nous deux.
que tous les gènes sont... Ah non, il y a celui-là encore. Merci pour l'info, Léon. T'es un amour. Tiens, l'opinou, toi. T'es chou, l'opinou, mon chou. Ah, il y a un gène, là, c'est vrai. Allez, va chercher ta copine. S'il te plaît, va chercher ta copse. Ah, tiens. Livreur Amazon, c'est ça. Putain, j'en fais quoi de ce colis ? Allez, viens soigner. Ah ! On a des petits bruits de pas. C'est planté dans un coin. Non ? La soigne. Elle est venue jusque là. J'ai entendu, hein. Je sais même plus où je l'ai foutu. Bon. Double chance. Elle est repartie par là. Ça y est. Là, j'ai merdouillé dans le potage. Donc, ils vont faire le gène du main, je pense. C'est l'autre, c'est celui-là. Oui, c'était celui-là. On va faire genre qu'on sait pas qui sont derrière. Joli. Double esquive. Ah non, mais là, je suis bigleux sur le coup. Surtout qu'il y en a une... Ah, voilà. Qui n'est pas soigné. Désolé, mais cette fois-ci, t'y vas, hein. Si. Ah bah oui, mais non, hein. Ah bah oui, mais non, hein. Ils sont loin, là, dis donc. Qui c'est qui a mis des crochets si loin? Merci, mon petit... Léon. Non, ça passe pas. Mais on sait où est Léon. Ah bah, si tu vas là-bas, ça m'arrange. Je te dépose. Non, il doit être dégoûté, Léon. Il va prendre sa petite fenêtre, là. Voilà. Toujours, hein. Il aime bien cette petite fenêtre, là, Léon. Hein? Ça épé bien. Il y en a une qui a tourné là-bas. Oh. Ok. Un petit Mori. C'est encore ma chérie. Ah là, tu vas. Allez, on fait le Mori. Ou pas. Regard fixe inexorable. Allez, Léon. L'attrape. Là, attrape Léon. Attrape Léon. Où qu'il est, Léon? Je pense qu'il est par là. Il est là-bas. Allez. T'as de la chance ou t'as pas de la chance? Je te souhaite toute la chance du jeu. Bah, désolé. On le fait sortir ou pas, les lapins? Qu'est-ce qu'on fait? C'est Léon, il est... Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi.
C'est vous qui dites. C'est vous, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'on fait pour Léon? Reviens, Léon! Je l'ai même à la maison! Soit il rentre à la maison, soit... Dites-moi. Dites-moi les lapins. C'est maintenant. Voilà. Comme ça, on est d'accord. Ok. On va lui rendre sa liberté. Alors... Allez, viens mon petit lapin, t'as été gentil. T'as pas été le meilleur, hein. Mais t'es sympathique. Et on l'est aussi quand même, un petit peu quand même, un petit peu quand même. Je pense qu'elle doit être par là-bas. Un petit peu quand même, sympa. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Non ? Ouvrons les oreilles. Ah ben non, on va lui faire faire le générateur. Tu fais ça, toi, d'accord? On est d'accord? Allez. Non, il veut pas. C'est la grosse feignasse. Tu sens. Non, non, tu me portes. Tu me portes, c'est toi. C'est toi qui marches. Allez, bonne soirée, mon cher Léon. Ciao, ciao, bien joué. Oui, mon lapin, t'es gentil. Oui, t'es mignon. Oui, 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 t'es tout beau. Bravo Léon! C'est bien, voilà, merci à vous d'avoir suivi, désolé, j'ai pas eu le temps de vous répondre à tous, merci pour les follow. Hop, je vais leur dire, je vais lui dire au revoir. Ah, je suis en majuscule, zut. Dis donc, en face, hein, c'était pas... Hein, quand même. C'était pas des... Ah, quand même, un petit peu, quand même. Bon. Ça a été bien. Alors. On va reprendre tout ça, mes petits lapins. Merci donc, Elder, Cassiel, Lurz, Myrine, Bruno, et bien sûr à mon cher et grand Varg, celui qui m'a... Ouais, c'est grâce à mon Vargou que j'ai appris à jouer à des BD et d'une. Alors, c'est pas lui qui m'a fait découvrir, mais c'est lui qui m'a donné envie de streamer des BD. Donc, je suis ravi, c'est quelqu'un de super. Merci à toi mon lapin, bon appétit, merci beaucoup, j'espère que son stream vous a plu, et j'espère que celui-là va vous plaire aussi. On peut se croiser de temps en temps sur le chat de Varg, alors bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Qui a fait péter le DLC là ce soir? J'arrête de discuter parce que les games sont longues à charger, donc on va lancer tout ça. Qui a fait péter le DLC là ce soir? Alors, qu'est-ce que ça disait sur le chat? Patricia, merci, merci, salut, bonsoir, bonsoir, merci pour les follow, merci les modos d'avoir pris la main, merci mon cher Matt. C'est ce qu'il faut, d'accord, oui. Je viens de jouer dans la même map. Ouais, ok, la map de l'artiste. Bon, notre but d'anti-gêne quand même, ça a évité un gêne rush. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. C'est long pour trouver les games normales. Ok, ça va plutôt vite pour trouver les games. Ah ouais? Putain, en tueur. Il pourra jouer à saute mouton, à saute Léon. Exactement, exactement. Tac, 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 tac. Ouais, la petite musique, vous voyez? On a commencé la game avec cette petite musique. Et je vous disais. C'était la bonne musique pour DBD, pour cette partie-là. C'est, tu vois, dans la douceur, la gentillesse, le petit Léon. Bon, oui, alors oui, on a Maureen Meg. On a Maureen Meg, mais ça fait partie du jeu. C'est pas... c'est le... T'as joué avec les cassettes vidéo. Bon, en même temps, on leur avait mis la cassette dans les mains dès le départ. Hein. Du coup, celle-là, on l'avait regardée tout à l'heure. Manifestation inflige aux survivants... Ça te met l'effet statue entrave. Non, c'est pas celui-là que je voulais mettre. Non plus, c'est celui-là, voilà.
Les survivants condamnés propagent condamnation aux autres survivants qui terminent une action de soins sur eux. Ça peut être rigolo, cette histoire. Et ça, c'est... ça réduit le temps, effectivement. Ils peuvent être condamnés plus vite quand ils ont une cassette en main. Et ouais, je pense que Meg, elle a pas dû capter qu'elle avait une cassette vidéo en main. Parce que au moins 5-6 fois dans la game, elle a donné l'instinct de tueur. Peut-être qu'elle savait pas. Peut-être qu'elle savait pas. Elle a pas dû jouer Yoichi ou Sadako. Ça peut, hein, parce que... Moi, c'est quand... Ah oui, là, l'autre fois, il y avait un défi sur les glyphes blancs. En fait, les glyphes blancs, je savais pas que c'était un miroir cassé. Il y a un glyphe, et qui est marqué en plus sur la map. Tu démarres, tu sais que là-bas, il y a le glyphe le blanc. Tu y vas, tu récupères un miroir cassé. Le problème, c'est que je savais pas. Moi, j'avais pas vu qu'en bas à gauche, j'avais... Ah, ça y est, ça va un petit peu plus vite maintenant, les gars. En bas à gauche, il y avait l'icône d'un petit miroir rond cassé en deux, effectivement. Et voilà, j'étais survivant, donc. Et je pars faire 2-3 trucs, des hooks, ouais, sur une colline, et à un moment, je saute, et 2 secondes après, j'entends un signal sonore que je connais pas, et je vois un autre glyphe. Et j'en ramasse 3 comme ça. Mais en fait, ça faisait pas avancer le défi. Il faut aller prendre le glyphe blanc, ça veut dire on prend le miroir cassé. Alors, je sais pas si on peut prendre un autre objet, genre une trousse à outils, une trousse de soins. J'ai pas voulu tenter. Mais dès qu'on l'a, ce miroir, il faut aller dans la cave de la map. Il y a un autre glyphe qui apparaît. Et on répare le miroir. Il est réparé. Et je crois que pour valider le glyphe, il faut sortir de la game avec le miroir. Et on a 25 000 ou 36 35 000, je sais plus, points de sang, 25 000 je crois. En plus, c'est ouf. Et voilà, je connaissais pas les glyphes blancs du coup en game là, je sais mais pourquoi il apparaît 3 fois et que ça m'a pas validé le défi. Donc voilà, il y a plein de petits trucs que je découvre encore aujourd'hui sur DBD. Et là, on découvre une nouvelle game avec It's Lisa. Ah OK, super, comment ça va Lisa? Alien 51 X-Ghosts et Jax. Voilà, ok, super. Il y en a une qui est partie. Ah, je suis en orange, 112 de ping. Ça, c'est relou, ça. C'est relou. Génial, mon jeu a crash en pleine game. Oh, purée. C'est relou. Alors, Lurtz, je sais pas comment je dois dire. Tu joues à DBD, je suppose. Lurtz, ok, pas de problème. Yes. T'es plus survivant, tueur, un petit mix. Dis-moi tout. Depuis décembre, là, de 2021, c'est cool. T'as profité du cadeau d'Epic, Epic Games. Un petit mixte. Ah, ok, c'est cool, GG. Respect, moi j'ai du mal en survivant. J'ai que 200 heures de jeu. Oh, en 3 mois, c'est propre. T'es sur Steam? Ok, c'est cool. Hop. Si tu veux m'ajouter sur Steam, point d'exclamation Steam, et voilà, Gaming Papa, on fait des Game Viewers je sais pas, on va voir, peut-être le samedi soir. Tiens, d'ailleurs, faut qu'on regarde le planning, les gars. 3 kills sur 4, mon petit Zach, c'est bon ça? T'es chaud, ça y est, t'es lancé, 3 games et t'es parti, quoi. Tu découvres, c'est parti. Oui, samedi 23h, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. On se fera des Game Viewers, voire là, comme je vous ai dit hier, ça peut être intéressant de faire des parties personnalisées si on est plusieurs. Comme ça, on peut essayer les mécaniques tranquilles de Yoichi, des perks de Yoichi, des perks de Sadako. Ça peut être intéressant. Putain, mais moi je discute là, les gars. À chaque fois c'est pareil, je parle trop et on y va, c'est parti. Ah oui, je suis tueur, hein, c'est vrai. J'avais dit que je ferais
Je la sens pas, cette game, tu vois. Il y a un truc. Truc dans l'air. Pourtant, j'aime cette map. Bonjour. Comment ça va? Oui, je suis là. Tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu. Ok. On n'a pas le pouvoir encore. Mais on sait jamais. Oui. Voilà, ça, ça peut être rigolo. Ah, ça fait pas gagner beaucoup de temps. Mais déjà. Regarde là, là. Ah oui. Oh, t'as bien joué, tu m'as eu. J'étais sûr que t'allais la prendre, Dwight. J'étais sûr qu'elle était pour toi. Là, on va essayer de... Ouh, ça marche pas, notre... Ok. Notre build anti-hygiène ne marche pas du tout. C'est une évidence implacable. Ok, Dwight doit être dans ce coin-là. Non. Oh. Non, non, pas après, Matt, la PP. Ah, Spotify est... Allez, un petit coup chacun. Hop là. Eh oui, ma beauté. Ça sert à rien, tu sais, ça. Ouh, un peu plus. Au son, moi, j'y vais au son. Je peux jouer les yeux fermés. Qu'est-ce qu'il y a, Dwight? Boum. Ça bosse là-bas. Ma petite Eugene. Tout le monde est blessé, on est bien. Oui, t'es là, mon beau. Ah, tu m'avais pas vu ou quoi? Non. Mais Dwight, ça va, je connais ton manège, là, mon lapin. Viens là, mon petit lapin. Y'a une petite télé, là, où tu vas ou pas? Je regarde pas assez la télé. Logiquement, il doit arriver par là. Ah, putain, il m'arrive juste dessus. Pourquoi je fais un demi-tour? Voilà, enfin. Là, on a une petite équipe... Correas. Non, faut pas que je cherche de crochet blanc, j'en ai pas mis. Ok. Elle est où? Oui, c'est bien. Donne-moi de la palette. On va faire du recyclage, tu revois. Ah ouais, c'est important. Faut recycler le bois, tu sais. Elle m'a bien eu. Ah, la petite télé, là, elle était bien, là. Par contre, fais attention. Tu laisses des traces. Ça fait négliger. Oh. Ça, c'est un beau brain. Ça, c'est un beau brain. Oui! Qui va me clic-clic? Ah bon? Ah bon? C'est des réflexes de tueur. Les crochets blancs, c'est comme le regarder autour. Comme si tu avais... Oui, c'est vrai. Là, ça m'a passé le réflexe de Chili. Mais effectivement, j'avais ces sales réflexes des fois. Okay.
Oui, c'est bien ce qui me semblait. Bonjour. 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 Télé, on va là-bas. Et toi, tu devrais arriver par là. Ah, désolé, Yuji. Ouais, écoute, je m'attendais à un Ace. Tant pis, il faut que je te... Oh, joli. Voilà. Justice est faite. Tu as raison, mon Ace. C'est bien. Oui, bon, arrête, c'est bon, je lève la tête. Merci. T'es pas parti loin, toi. Hein? Je sais que t'es pas très loin. Ah, t'es là, ma beauté. Oh! Il a course effrénée et je me suis fait berner. Il est bon, il est bon, il est meilleur que moi, ça c'est sûr. Donc on va pas perdre trop de temps avec lui. Il faut s'avouer. C'est comme le fait de spawn de la télé. En général, on est toujours à l'envers. Quelqu'un par là. Elle est déjà partie loin? Non, sur l'autre gène. Par là. Ça a bougé, là-haut. Je veux bien, on peut essayer. Oui, voilà. Dernier gène, et lui, il va me le faire perdre. C'est sûr. Ça joue très bien, les gars. Oui, et puis c'est parce que je suis pas au niveau. Non, je suis pas si compliqué à... Enfin, à comprendre, c'est pas compliqué. Non, ils sont bons, et j'aime bien jouer comme ça, tu vois, moi... Ah, te voilà. C'est bien, les téméraires, parce que la pauvre... Ça aussi, habitude de Freddy, qui a une belle allonge qui passe bien en général. Hop, tout de suite la télé. Voilà, parce qu'elle était juste à côté. Je t'ai entendu dans mon oreille gauche. Non ? Oh la vache ! Ah bah oui, ça fait un moment toi aussi que je t'ai pas vu. Oui, bon bah je l'ai pas cassé. Ça va, on peut en oublier quoi, je veux dire. Voilà, bravo, GG les gens. J'avais cru entendre. C'est dommage, tout le monde est là-bas. Oui, bonjour. Salut. Allez, bien joué. Pas de petit bug, hein. Ne finissez pas comme ça. Regardez. Voilà. Les débilus homibilis aiment rouler sur lui-même. Mais en fait, pourquoi vous êtes venue, madame ? Pour faire parler les débiles. Je suis... sidéré. Cassez-vous. Voilà, allez, c'est par là la sortie, là, ici. Va par là. Je te montre, c'est là-bas, mon petit Ace.
Merci, mon chéri, c'est bien. Toi, t'es gentil. Ça, voilà, le mec, il est super bon. Bon, à la fin, il m'attendait peut-être pour faire une petite chaise encore. Mais il fait pas le cake. Respect à toi. Hop, bien joué. Très, très bien joué. Et regardez, tout à l'heure, on avait des irisés. Là, il y a de l'argent, il y a du... or, c'est ça, oui. Oui, c'est or, ça. Et c'est voilà, moi, j'aime beaucoup. C'est qui, Tish? Et regardez, il avait... Non, c'est pas lui. Tish. Merci pour le follow. Merci pour le follow, Ghost0234. Merci à toi, Ghost. You're French, maybe. No, I don't think so. But you're a really good survivor. Really. GG. GG, GG. Je pense que c'est lui, Ghost. Et Tish, c'était Néa. Ah ouais, Néa, on l'a vu un tout petit peu de la game. GG aussi. Yes, yes, yes. GG man, sorry man, just English. You have a good day, man. You too, guy. Thank you very much for the follow. Thanks for fun in this game. Thank you very much. Oh non, il y a du... Qu'est-ce que c'est ça, seringue? Ah oui, des seringues, c'est vrai. Et... elle y va toute nue, hein. Boro, volonté de faire, des dardes, une parfaite occasion, c'est bien. Ah, il y avait un petit indéfectible hein, dans le lot quand même. Ça, c'est. Je pense que. Je sais plus lequel là. Bref. Bien joué en tout cas. Je sais plus lequel m'avait fait tourner un petit moment à part Ace. Bref. Oui, je crois que c'était Ace et Néa. Bon, voilà, bonne petite game. On a fait combien de kills tout à l'heure? Ah oui, on en a fait 3 puisqu'on avait laissé... Je les rajoute. Hein. Ça, c'était la deuxième game, il y avait 3 kills. On a laissé sortir Léon. Là, on est sur la troisième game et 0 kill. Oui, Matt, tu disais, je suis prêt pour la PP après peut-être. Non, pas ce soir. Profite, entraîne-toi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que dans le planning, là, on fera ça samedi soir. Ça sera le week-end. On aura tous un petit peu... Mais c'est pas celui-là que je vais vous montrer. C'est celui-là. Ouais, samedi soir, 23h, minuit... 23h, 1h du matin, 2h, je sais pas, on verra. On pourra s'en faire en live. Au pire aussi, tu sais, Matt, ça peut être... je pense que je vais quand même essayer d'y jouer un petit peu jeudi ou vendredi. Ça peut être offline, hein. N'hésitez pas, en tout cas, aussi, chers amis, à rejoindre le Discord qui commence tout doucement à se faire, hein. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Matt, il faut juste qu'il y ait un peu plus de monde présent pour chercher des games, pour échanger des choses sur des BD, sur les autres jeux qui sont en stream. Le main jeu, c'est des BD quand même, on est bien d'accord. Après, il y a du Hunt de temps en temps et du NHL 2022. J'ai pas envie de faire Elden Ring en ligne parce que... Ça, je n'aurais plus de vie. Déjà, cet après-midi, j'y ai tâter un petit peu là, oh là là, t'as plus envie de partir. Je sais pas si vous avez joué à Elden Ring, mais c'est chaud. J'ai vu que Varg avait démarré aussi, ça ne m'étonne pas de lui. Voilà, on va relancer une game. Là par contre, comment ça se fait que les gènes ont été au début là si vite? Parce que je suis en train de penser, il n'y avait pas de add-on de réparation un peu cheaté.
avoir ramassé un survivant. Ils sont bloqués pendant 16 secondes. Qu'est-ce que t'as pris comme build, Matt, Zach? Vous avez pris quoi, les gars, comme, comme build? Allez, on va essayer un autre build, là. On les a fait tout à l'heure avec la maîtrise. Ça, non. Thanatos pour empêcher de... Ça, c'est quand même bien. On va merci le garder. Merci pour le follow. Merci pour le follow. Pourquoi elle s'affiche au moins, les alertes ou pas? Non, pas là, parce que j'ai mis le... Encore que... J'ai pas l'impression qu'elle s'affiche les alertes sur le stream. Merci pour le follow, Terry Schmelters. Bienvenue à toi. Plusieurs survivants sur le même gène et dispositif de l'homme. Ouais, mort. Et seulement si le survivant lâche le générateur. Ouais. Du coup, ils ont peut-être pas lâché les générateurs de la game. Je pense que c'est ça, puisque c'est au début, pendant que j'étais sur la première chase, qui a été très très rapide à trouver, puisque c'est, je sais plus c'était qui là, mais derrière le rocher là, que j'ai aperçu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est, ils ont pas dû lâcher. Tiens, on va essayer d'en trouver d'autres. Ça serait bien. Ouais, ça d'accord. C'est intervention impure, ça s'appelle ? Intervention maléfique, c'est Ghostface, hein, on est d'accord. Hein. Intervention impure. Non, c'est ça. C'est intervention maléfique, ça a rien à voir. C'est intervention impure. Ou ils ont changé le nom ou pas ? Parce que... est-ce qu'ils ont fait comme... prophylaxie, ils ont changé les mots ? C'était intervention maléfique, non ? Ah, voilà, avec le nouveau chapitre. Ghostface et frisson palpitant. Merci, Lurtz, effectivement. Et mais, je sais pas comment vous faites, les gars. Après, je pense que c'est une question d'âge aussi, mais... Lurtz, tu joues à DBD depuis le mois de décembre. Tu connais déjà le nom des pères comme ça. Moi, ça fait... Je crois que c'est... Ça va faire 2 ans et demi, là. Je joue à DBD... Le nom des pères, qui est à part les plus classiques, quoi, Noël. Et encore, je connais les noms en anglais, quoi. Ah, tu mains Ghostface. Comme j'ai peur quand j'ai Ghostface. J'aime pas ces tueurs sneaky, là. Ghostface, Myers, le Spectre. Oh, ça me fait... Et Ghostface, c'est celui qui me fait le plus peur. Peur, genre, je me dis, on se détend, hein, mais... Ah, j'aime pas. Re, mon cher Matt, comment ça se passe, tes soucis, là? Spotify, Discord, tout ça. Du tout, du coup, que se passe-t-il? Bah, c'est ce que je te disais, je pensais que t'étais à l'écoute. Les PP, on les fera... tiens, je vais lancer la game au lieu de discuter. On les fera samedi. On fera surtout de la game viewer et on verra si on est assez, comme je l'ai dit hier soir, d'ailleurs, me semble-t-il. Si on est assez, on fera de la PP samedi aussi pour tester ses perks. Je joue en même temps et puis les serveurs de Spotify et Discord pour moi. Ils sont en PLS, ouais, c'est clair. Bon. Il te faut de la musique pour jouer. Je comprends. Tu es mélomane. C'est le nom du nouveau tueur, du prochain tueur, ce sera mélomane. Ah, ça, tiens, on est en train de créer un nouveau tueur qui sera, après l'artiste et la peinture, on aura un musicien, tiens. Mais je te conseille de prendre intervention impure pour contrer le gène rush. Oui, c'est vrai. Moi, quand je vois ça, ça dure longtemps en plus. C'est vrai, tu te dis, oh là là, ça va durer. Après, je fais avec ce que j'ai. Hein, tu vois, je l'ai monté tout à l'heure jusqu'au niveau 40. Il n'y a pas mon petit chili barbecue.
Putain, chaque fois que je dis ça, ça me fait penser au chili con carne. J'ai envie de chili con carne. Faut l'appeler autrement, cette perque. C'est pas possible. C'est pas possible. Dès que je dis ce mot, ça y est. Ah bah voilà, je peux le temps de changer avec mes conneries. Le prochain tueur, c'est moi. Ça rigole pas. On va avoir Matt the Killer. Justin 7400, Jess 7400, vous connaissez. Metalides et Doki. Let's go, on y va les lapins. Non, j'aurais dû changer là maintenant. J'ai faim, c'est malin. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Au fait, Matt, hier soir, ton McDo là, rien que d'en parler, tu vois. Après, alors, j'assume, c'est moi, j'ai parlé du Royal Deluxe et tout, mais à la fin du stream, j'ai commandé McDo. Je sais plus. Non, 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 Matt. Et du coup, Matt, tu joues plus tueur. Alors, tu vois, il va te dire, Matt. Allez, bon bah du coup on n'a pas changé les perks. Après on fera une petite game de Freddy, tiens. 4-4 pour Zach. Il enchaîne Zach, il est chaud. On l'appelle Chocata maintenant. Ah ouais, tout le monde est là, quoi. Tu m'étonnes, le Gen Rush. Alors, j'ai que l'embarras du choix, là. Ah bah, j'ai bien choisi, c'est celle que j'ai hit. Oui. Oui, on y va, ma beauté. On y va, chérie. Désespoir du lag. J'ai bien compris comment l'utiliser. Bah, j'ai bien vu que t'avais compris, apparemment. Sur la droite. Elle arrive sur la droite. Ah bah non, regarde. On a une cops. Là, c'est bloqué. Ok. Là, on va faire... régresser... On voit là-bas. Tes impressions, mon cher Zach, dis-moi. Ah, elle est rentrée. Bien joué. Passer là-haut. Ah, pas assez rapide, bichette. Faut courir, ouais. Je sais, ça m'arrive aussi. C'est pas grave. Ça va bien se passer. Ça doit usiner là. Eh ouais, tu penses. Pas de télé. T'es puni, y'a pas de télé. Ouais,
c'était... Il fallait le tenter, hein. Ça va, clic-clic? Ça va, clic-clic? Non, si. Mais enfin, Claudette. Ok, merci. Il n'y a pas ni problème. Celui-là aussi, vous allez me le faire? Ok, bien joué. Oh, oh, oh! Je peux pas la poser! C'est quoi cette histoire? Ce n'est que... Ce n'est que partie remise. Oui, ma chérie. T'as raison, reste devant. Oh! Putain, je me suis fait avoir, mais comme un bleu. C'est toi qui vas y aller, hein? Oh là là! Excellentissime! Mais c'est pour toi! Voilà! Tout t'amuses bien? Tout va voir. Tout va prendre le correction. Oh non, le lag là, non! Hein. Je live jusqu'à. Quelle heure il est là? Jusqu'à 22h normalement. Ouais, jusqu'à 22h. Non, pourquoi je suis allé me TP là-bas? Parce que... Ta game avant était full lag? Ah bah ouais, mais non, non, non. Hein. Ah là, ça passe pas. Mika, 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 Mika. Bon, m'embêtez pas avec les crochets, hein, je vous le dis tout de suite. Vous me le laissez faire, sinon elle va à la cave, la petite. Elle est où, Michaela? Alors, on va aller là-bas, tiens. Ils l'ont laissé, celui-là. Ils l'ont laissé. Là-haut, je suis pas allé voir encore. Eh oui. J'ai bien fait d'aller voir. J'ai appuyé! Qu'est-ce que j'ai foutu là? J'ai clic-clic sur le bousin là! Eh oui, bien sûr! Ah bah on va tourner un moment les filles! Hop! Oh, un petit peu plus là, si on était bien là! Un petit peu plus, c'était bien, là. Ah mince, faut pas que je fasse ça, le wiggle. Ah purée, j'ai oublié. Non? Ah bon. J'ai entendu le bruit. Désolé ma beauté, qu'est-ce que tu fais là quoi? Je suis navré pour toi parce que là vraiment...
Tadeo. Non? Non. Elle a bien joué. Mika, tu vas où? Voilà. C'est ça que c'est bon. Ah, ah, ça m'intéresse. Mauvaise... T'es où, toi? T'es là? Oh là là. C'est Michaela, là, qui est surchargée comme une mule. Si je t'attrape, t'es dead, tu le sais, ça. Tu sais, ça. Désolé. Désolé. J'ai cru que ça passerait pas. Allez, vite, vite, vite. On bloque celui-là. Ah purée, c'est le dernier. Il y a quelqu'un qui a couru. Purée, j'ai pas de traces. Ok. Juste là, super. Encore quelqu'un qui... Ok. Ça, c'est dégueulasse de me faire espérer, quoi. Oui, 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 Claudette. Bien joué, Claudette. Soigne-toi vite, Claudette. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Ah bah non, elle a plus... oui. Depuis le temps qu'on tourne, là, elle l'a plus. Oh, GG, les gars. Les bonnes games. Ce soir, on a de la bonne game. Je dis pas ça parce que je viens de la hook, hein. Je dis ça parce que vraiment... Là, il y a du pur bon. Non, Mika. Où est Kate? J'ai perdu Kate. Là, ah, elle a bien joué. C'est ce qu'il fallait faire, meuf. Hein. Allez, décroche-toi. Bon. GG, très belle game, j'adore. Là, les games de ce soir, j'adore. À part un T-bag, tout est nickel. Tout est... Bravo. Bravo tout le monde. GG. J'ai bien compris comment l'utiliser. Je suis pas déçu de cet achat. Ouais, donc je l'ai jusqu'à 22h. Encore une petite heure, là. Ma game juste avant était full lag. Et pour répondre à ta question, Lurs... Oui. Matt va te répondre. Je sais plus quelle était la question. Tu préfères jouer qui? Ah oui. Je vais t'en partir tout de suite. Là, les gars, ils sont partis. Stream, merci à vous d'être là. Les gars, ça fait plaisir. Vite, faut que je leur dise bravo, bisous. Et voilà. Là, on est bien. Ah oui. Putain, ils y vont à poil. Hein. Ah,
Jess et Justin, désolé. Désolé, oui, il y avait bien coursé, freiné. Ok. Bien joué, les lapins. Et toi, Lurs, tu penses Ghostface, mais il n'y a pas que Ghostface, est-ce que tu en joues d'autres? Je dis ça, moi, je suis à fond Freddy. Après, mince, les défis, moi, je suis couillon, moi. Depuis tout à l'heure, je joue avec les défis de survivants d'hier. Ah bah, ça va pas avancer, hein, ça, c'est sûr. Matt, il joue, il regarde les streams, il mange. Il va se péter le ventre, il va me dire, voilà, j'ai mangé ça, il va me donner faim, j'ai des barbecues, tout ça, et voilà. Bon appétit à toi, mon cher Matt. Il joue avec l'artiste, l'esprit, farceur, fléau, lance-mort, et un tueur licence préférée, c'est Sadako. Ouais, c'est vrai, à force, Matt, il enrichit son nombre de tueurs. C'est ça que je voulais. Casser 30 murs. Ah bah purée, j'aurais pu le faire 20 fois ce soir-là. Combien on a fait de kills là? 3, hein? Et c'est la quatrième game. Quatrième game. 1, 2. Oui, 3, hein? Oh la mémoire! Allez, on va casser des palettes. Frapper 7 survivants à l'aide de la tronçonneuse avec le montagnard. Oh, je suis tellement nul. 50 000 quand même. Non. Allez. On reste sur Sadako. Je vais même pas jouer Freddy. Non, non, non. Freddy, pas ce soir, mon lapin. On va utiliser... Je suis où, là? Je suis chez qui, là? J'ai pas de tueur à droite. Ouais, si, ok. Je voulais en utiliser... Il faut que ça monte, là. Il faut qu'on ait tout le monde à 50, vite. Ouais, je ferai ça après. Je vais pas vous saouler avec ça. Ok. Let's go. Oui, donc... ce que disait Lurtz... C'est intervention. Elle est où? Oh putain! Ouais, ça en fait pas mal l'heure de cette avis. Moi, je tourne à. Bah on va dire 3, allez 4. 4 maintenant. Mais vraiment c'est Freddy. Le doc. L'artiste. Et je pense que l'Onrio, ça va le faire. Pour l'instant, depuis le PTB est là. Ouais, ça me plaît bien. Ah oui, je vais faire le tour et jouer aussi. Ça. Alors le problème, c'est qu'il va y avoir un conflit entre le tour et jouer et appel de la mer. On va voir. Frisson palpitant. On va enlever tempête impitoyable, c'est ça. Et on va mettre le tour est joué. Dispositif de l'homme mort, je voudrais le remplacer, mais je la vois plus la perque. Bah, un conflit parce que ce sont deux percs qui se déclenchent au moment où tu tapes le... Attends. Oui, au moment où tu tapes le générateur. Et moi, ça m'est arrivé avec le doc entre surcharge et je sais plus quel perc où ben, des fois c'était l'une qui m'a... Pas les deux en même temps. Et des fois c'était surcharge, des fois c'était l'autre. On va tester. Si ça marche tous les deux, c'est top. Tout générateur que je vais claquer après avoir accroché un survivant, il y aura à la fois appel de la mer, frisson palpitant, pardon, le tour est joué, appel de la mer. Oh,
Ouais, hein, il me semble. Hein. Ça, c'est pas terrible, hein, franchement, flot de rage. Quand t'es focus sur un truc, tu vois, au centre de l'écran et que tu vas arriver ça, t'as un petit coup de stress quand même. L'ennui, c'est que le dispositif va t'empêcher de frapper le générateur. Exact. Ah ouais, mais oui, j'ai pas pensé à ça. C'est pour ça, il faut que je l'enlève. Ah, il va le bloquer. C'est pour ça que je veux l'enlever. Je veux mettre... Mais je suis pas fou, on l'a vu tout à l'heure. Hein, intervention qui est plus maléfique. Pardon. Je suis pas fou, là. J'ai perdu. Ah, c'était dans la toile. Lertz, merci. Mais vraiment. Non, mais... Ouais, non, mais voilà. C'est bientôt, ça va être gaming grand-papa, quoi. Gaming EHPAD, ça va être. Oh là là. Oui, tout à l'heure, c'était... Peur contagieuse, non. Merci beaucoup. Alors là, je suis là, mais je deviens fou ou quoi? Allez, on va ça. Oh putain, c'est grave. Wow, je me rends compte que c'est plus tout jeune tout ça. Intervention impure. J'aime pas ce mot, j'aimais bien intervention maléfique. Genre, ils ont changé pour pas que ce soit trop. Tiens, on va faire un petit cadeau à tout le monde. Faut pas que ce soit religieux, c'est ça? Et prophylaxie, c'est, ils l'ont enlevé pourquoi? Parce que les gens savaient pas ce que c'était. Ben au moins, moi, ça m'a fait apprendre un mot. Hein. Je suis désolé, je connaissais pas ce mot-là. Première fois que j'ai vu un live des BD, c'était Squeezie, Locklear, Dwagby. Je me souviens qu'il avait joué à ça là, avec je sais plus qui. Je voyais ça, prophylaxie et tout. Bon, comme j'avais pas accroché non plus. Le jour où je l'ai eu, bah, tu vas voir le dictionnaire, quoi. Enfin, pardon, Google. Ils ont eu du mal à le prononcer. Franfinaxie. Alors, thanatophobie, c'est pas remplacé, thanatophobie, j'espère. Non, mais c'est bien, il aurait fallu le garder, prophylaxie. Militant pour le retour de prophylaxie. Je rajoute la game, hein, c'est la cinquième game ce soir. Cinq games, c'est pas plus. Après... On a fait des games longues aussi. Hein. Je sais pas vous les gars, mais effectivement, je suis en train de me dire que c'était des games bien longues toutes. La première, tout le monde était sneaky là, à la fin. Là, les deux derniers, ils se planquaient pour pas se faire attraper. Donc, ok. Après, moi, j'aime bien. Je suis quelqu'un, les games comme ça, où à la fin, c'est le trigène, là, s'il faut... tout quadrillé, chercher partout, il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'avec elle, ça va donner des games un peu plus longues. Je sais pas. Après, on n'a pas toutes les perks. Hein. Tiens, ben, j'aurais voulu regarder. Sur le temple des secrets, il y a quoi, là, en ce moment, comme perk? On va aller voir ça. Est-ce que... Oui, sur le wiki, en général, ils le mettent à jour. Non, il n'est pas sur le wiki. Je croyais qu'il le mettait. Sympa, ça permet de bien apprendre le tueur. Ouais, c'est clair. Vraiment. Le PTB, là, je suis content de l'avoir fait.
de pas avoir lâché, parce que c'est vrai que le Cinobit, j'avais fait le PTB, j'avais fait une game tueur, et après c'était long pour avoir les games, c'était en live. Vous voyez, hein, c'est ce que je disais les gars, heureusement que j'ai pas fait le PTB en live avec ma connexion, parce que vraiment je lançais la game et 45 minutes après j'avais une game, mais j'ai pas lâché, j'ai fait que ça pendant 3-4 jours, et ça permet de bien poncer aussi. Il y a atterrissage équilibré, distorsion, lumière mourante et présence écrasante. Comment ça, l'heure, c'est en train de dire qu'ils vont renommer, non ? Je crois que ça va changer. De quoi tu parles ? Il y a atterrissage équilibré, distorsion, lumière mourante et présence écrasante. Hop, on est en Asie. Est-ce que vous les voyez, les perks ? Non, vous ne les voyez pas, les perks, si je suis trop comme ça. Et j'espère qu'il y a le petit add-on sur Twitch qui vous donne les infos. Ou peut-être qu'il y a la cagnotte là qui doit vous gêner. Allez, on se concentre. Où sont les générateurs bloqués ? Ils sont là. Du coup, ça doit venir chercher par là-haut. Bah oui. Où es-tu ? T'es pas loin en tout cas. Ça allume Applebuck. C'est ce qui me semblait. Tiens, t'as voulu me clic-clic ? Voilà. Très bien joué. Clic clic. Ah non. Petit H, il vient en aide à Gros David. Oui, c'est bien des armes là. Très bien joué, mec. Parfaitement bien joué. Neutraliser celui qui a la flashlight. Oh non ! Où est-elle ? Elle est juste là. Le cadeau béni des dieux est là. Sauf que je vais pas pouvoir la kill tout de suite. Hein, on est d'accord. Mais regarde derrière toi un peu. C'est elle ou pas? Ah ouais, elle va me faire tourner combien de temps là? On y retourne? Allez, vas-y hein. Je peux pas la kill tout de suite, je crois pas. Non, si ! C'est cheaté, vraiment. Je croyais que c'était après un hook, au moins. Oh !
T'arrêtes. Ils te prennent vraiment pour une bille, hein. Ah, mon petit David. Ah, je t'ai pas vu depuis tout à l'heure, là. Tu vas monter? Tu vas où? Dis-moi. Tu te mets là. Oui, on y va, mon lapin. C'est une très bonne idée, ça, de faire ça. J'aurais dû péter la palette. Perdu du temps. Vas-y, ma beauté. Oui, c'est bon, ça. Et David, il est couvert, là. Par son petit pote. Ah. C'est bien, les gars. J'aurais aimé te faire ça, mon lapin. Oui, c'est bon, ça. Allez, soigne-toi bien, parce que je vais pas te louper, moi. Toi, tu vas te louper, je sais. Eh oui, mon petit H. Tiens, on va là-haut. Prends un peu de hauteur pour méditer à ce que tu viens de faire, vilain garçon. Pas beau! Non, pas celle-là. Ça rapproche. C'est sympa, ça fait moins de trajet. Mais c'est pas ça. Et... Ah non, non, je viens pas te... Oh, bonjour, mon petit David. T'es là pour ton pote, hein. Oui, je sais, je t'aime bien, ton copain. Si j'ai un petit copain, là-bas, ça saute. Ok. Ça saute par là, Michaela. Et David, il va revenir, du coup. Voilà, c'est très bien joué. Décrocher le petit H. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, mon beau lapin. Où est-ce qu'il est parti, lui? Il flash plus vite que son ombre, lui. Oh, il est là. Non, mais je te vois. J'ai cru qu'il y avait un petit H dans le coin. Tu veux aller là-haut, s'il te plaît? Mince! Qu'est-ce que je fous là? C'est pas là du tout que je voulais aller. Ouais, bah oui. Allez, faut tenir le rythme, faut pas lâcher la pression. Ça dégage, ça dégage, j'ai dit. Et oui, voilà, tu vois, j'aurais dû la casser tout à l'heure. Je suis fort comme tueur, mais écoute, c'est gentil, mais je suis pas convaincu, mais... Oui. Oui, ma beauté. Oui, ma... Non. Il est où, Pépé, Papy Boynton, là? Il est où?
On va se mettre là-bas. Au loin. Je suis pas tombé là, j'espère, parce que ça m'a fait perdre. Oh. Et bon sang. Ok. Je sais pas à combien de hauts que je suis. Je sais pas où je vais là. Oui, c'est bon ça. Je suis très intelligent. Enfin, je pense que t'allais te faire une petite vidéo, c'est ça? Fais le cake. Allez, viens, je vais te mettre des olives. Ça va bien se passer. Ouais, mon cher Matt. T'es plus fort que moi en tout cas. Ah bah écoute, tu aussi que là c'est une game qui s'annonce très bien. Hein. Je t'avoue que regarde les stats. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Ah oui, c'est le déhook. Faut pas que je back sur la scène. Pas soigné. Meuf, t'es pas soigné. Ça fait combien de temps que je t'ai claqué? C'est ça. Essaye de la sauver, toi. Tiens. Si elle survit... C'est pour toi après. Il est où lui Bernard? Regarde-le lui. Très bien joué le dédarbe. Très très bien joué. C'est exactement comme ça qu'il fallait le jouer. Mais là t'as plus rien. Voilà. C'est problématique hein. Quelqu'un veut prendre des cassettes vidéo les enfants? Ça me ferait plaisir. Je suis plus un crochet là. Oui. J'étais pas sûr. Go. Deux gènes. Ah là, t'es mal. Là, cette fois-ci, je te loupe pas. Viens, on va par là-bas. Viens, viens, je vais te montrer un truc. Regarde comme c'est beau ici. Tu vois, là, c'est un chili qui me manque. Hein. Ok, les deux sont là-bas, du coup. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ah, je suis là. Oui. Ok, et Dave, il est où? En général, ils sont pas loin, l'un et l'autre. Donc lui, il se met bien dans le coin parce qu'il se dit « Oh, comme ça, il va pas pouvoir m'accrocher. » Sauf qu'il a un peu oublié qu'il y a un crochet juste là, tu vois. Hop, voilà. Hop, ah mince! Il a eu raison! Bien joué, acheter intelligent, c'est bien mon lapin. Et moi j'aurais dû sauter. Mais en même temps, je préfère que ça se passe comme ça. Comme ça, il va me livrer son petit pote David, qui est juste là, que j'ai entendu respirer en fait. Tu vois? Ça, c'est pas malin, David. Il faut pas faire le tour là. Ah là, je l'ai perdu. Donc, on va aller rechercher. Qui est là? Regarde. Garde donc. On prend tout droit, on prend à gauche. Et on retrouve... Oui!
Oh là là, c'est la décadence. Oh là là, la pétresse Albedo est là. Sur la France. Bien sûr qu'elle est disponible. Je suis trop loin, je suis pas en haut. Vite. Ah, elle est éteinte. Mince, j'ai loupé encore. Attends, on va bien viser ce matin-là. Regarde, c'est cette télé que je veux. Voilà. Celle-là, elle est trop jolie. Ah bon? T'es pas là? T'es déjà parti? J'ai fait 3 tours. C'est normal aussi. Ok. Oh, il était juste là. Il s'est dit, je vais faire celle-là. Et je suis arrivé. On va se planquer pour pas qu'il nous voit. Il est monté. Donc il devrait repasser par là. On a Copain H. Oui. Oh purée, je peux être aveuglé même en étant... Oui. Allez. Voilà. Et David. Non, pas là. Comment ça va la pétresse? T'as la forme? Oui, oui, ça d'accord, elle est là. Donc lui, il est passé où? Il s'est soigné. Je crois avoir vu... rien du tout. Ah donc tu crois que là ça marche ton glitch. Tu penses que le glitch là il est efficace ton truc. Bon, si David sort, alors David sortira. Coucou David. Ah, tu vas avoir de la chance, je sens que tu vas l'avoir. Je sens que tu vas avoir la trappe, non? Mais va la chercher! Est-ce que je le laisse en vie ou pas? C'est vous qui décidez, il faut me dire tout de suite, vite, 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 qu'est-ce qu'on en fait de ce petit David qui, quand même, il a tenté des trucs. Est-ce que on le renvoie chez lui? Ou est-ce que... C'est la fin, quoi. Quoi, non, Mapplebuck? Laisse en vie. Il y a déjà un skin rose sur Sonaco. Hein. On le laisse en vie? On le laisse en vie. Allez. Ok. Tac. Arrête de ramper. Arrête de ramper. Je vais m'énerver. Arrête. Merci pour le follow. Merci pour le follow. Silent Psycho. Non, non, non. Don't move. Don't move. Non. 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 Ah, je te claque, hein. Ah, tu veux faire ça tout seul? D'accord. Allez, viens, je vais te chercher la trappe. Où est-ce qu'elle est? La petite trappe, elle est où? Elle est où? La petite trappe, elle est où? Elle est pas là, la petite. Je vais me planquer, comme ça il va flipper. Il va se dire, mais il fait quoi? Il est où? Ça va être drôle. Par contre, faut que j'écoute. Hein. En fait, là, ce qui a ruiné la game, c'est la première là que j'ai eue très rapidement. Enfin, très rapidement, non, mais... j'ai eu avec la condamnation. Vas-y, elle est où, là? On était par là, là. J'ai eu un petit coup de stress pendant un moment, parce que ça m'est déjà arrivé en game, ça. Tu dis, allez, je vais lui chercher la trappe. En fait, ils sont encore deux, tu sais. Ah, voilà. C'est là, ici. Donc, vers cette télé, il est où, lui? Je l'ai laissé où? Viens avec moi. Viens, viens, viens. Regarde, viens voir. Viens. Viens.
Ah, c'est pas là, pardon. Excuse-moi. C'est bien là, hein, j'ai déjà oublié. Il me suit ou pas? Mais... Tu vas te prendre une fessée, David. Tu ne m'écoutes pas, David. Viens, elle est là-bas! Viens! Cours! Cours! Elle est là! Regarde! Ouais! Ouais! Bravo, David! Bravo! Ah, il a géré. Il a géré. J'aime bien, c'est... La pétresse arrive tranquille. Non, vas-y, laisse-moi voir. Mapplebuck, tue-le. Alors, Mapplebuck, comme tu viens juste d'arriver, excuse-moi, mais non, ici, on est fair play. C'est normal. Tu dois te demander qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui s'organise. Non, non, on essaye d'être fair play et voilà, on tue pas comme ça. S'il avait T-Bag, s'il avait... Non, il a clic-clic un peu, c'est ça. Et donc, merci Silent Psycho pour le follow qui était effectivement dans la game. Désolé, il a dû partir. Thank you very much. Ouais, il est parti le lapin. Ça fait au moins 4 ou 5 mois que je suis abo. Oui, pardon, Mapplebuck, excuse-moi. C'est vrai. Oui, non, non, mais... C'est comme j'ai beaucoup de... Oula, il l'a mal pris, Mapplebuck. Toutes mes confuses. Je suis désolé, mon lapin. Ce que je veux dire, c'est que tu viens d'arriver là, ce soir. Tu vois, c'est... Donc oui, comment on fait? Tiens, c'est vrai, quand il y a comme ça un conflit où il y en a un qui dit « Allez, on le tue, allez, on le laisse en vie. » T'as changé ton nom. Ah ouais? C'était comment? Rappelle-moi. En tout cas, je repasserai plus souvent. Eh ben, c'est gentil, Hertz. Merci beaucoup. C'est sympa. C'est cool. Mais non, on est pas mal pris. T'inquiète pas. Inquiète-toi pas. Mais non, je m'inquiète pas. Déjà, j'oublie les défis que je dois faire. J'oublie le nom des perks que j'ai. Alors, vos pseudos, si vous les changez aussi, les gars. Tu vois. Zach, 3 sur 4. Mais héros, Zach, t'as des meilleurs stats que moi ce soir. Ça va pas du tout. Hein. D'ailleurs, là, pour la cinquième game, on a fait 1, 2, 3, 3 kills. Voilà, ça nous fait 13 hooks sur 5 games. Bon, hein, mais voilà, ça montre que moi, vraiment, hein, tu vois, je considère que la game est gagnée quand, ici, c'est le plus gros score. Voilà, ça c'est mon truc, d'accord. Là, il peut y avoir 4 sorties, et je suis à 30 408, je suis content, tu vois, à premier ou deuxième. Je suis content, ça veut pas dire que si c'est pas le cas, je suis pas content. C'est sûr, si en plus dans la game il y a que du toxique, tout dépend. Dans ce jeu, pour moi, c'est pas forcément le 4 kills. Ça c'était intéressant parce qu'on a vu le petit Mouri, même si on le connaissait déjà. Mais en live, c'est vrai que comme j'avais pas fait le PTB, et God il a dit GG, donc lui c'est celui que j'ai laissé sortir. Il avait drôlement dur, il s'en est très bien servi de son drôlement dur, sauf une fois. Autotraitement. Nous vivons éternellement et parenté. Ok, allez, dernière petite game. Quelle heure qui c'est? Dernière petite game. Ce sera avec grand plaisir l'heure de te retrouver en tout cas. Merci beaucoup. Et Zach, il envoie du lourd. T'en as combien de kills là ce soir? Ça fait 4 plus 3 plus 3. Plus 0 la première, c'est ça? T'en es à 5 games aussi, je pense, toi, non? Nico! Mais oui, exact! Toujours ce 19. D'accord, ok. Bon, bah, va falloir que je me mette. Ok, d'accord. Allez, on va s'en souvenir. On va s'en souvenir. Qui êtes-vous? Bienvenue sur YouTube. Dailymotion. Napster. Caramel. Non, je sais plus. Sur le Minitel. Oh, j'ai rattrapé les erreurs du début. C'est clair, t'as enchaîné, mec. T'as enchaîné.
Tiens, petite question pendant que je t'ai, Zach. Je suis pas sûr, mais au pire, c'est pas bien grave. T'es sûr, j'étais ARP, j'ai vu ? Sur 5M, je crois, non ? Ou je confonds avec quelqu'un d'autre ? Ah, il me semblait bien, je t'ai vu l'autre soir sur Steam, t'étais en train d'y jouer. Ah, c'est cool, c'était juste pour savoir. Ça fait longtemps que tu RP ? Parce que moi, vraiment, je voulais le faire l'année dernière. Sur le serveur Sunny Island, j'avais fait tout bien, j'avais réussi à rentrer sur le serveur et tout, et comme la co ne tient pas... GTA RP, c'est quand même, en termes de bande passante, c'est un peu gourmand, et du coup, ça s'est abordé, j'ai arrêté, du coup. Ah, 9 mois. Non, c'est cool, hein, le RP. Moi, j'aimerais bien en faire plus souvent, mais bon. Du coup, j'avais trouvé aussi Red M après, puisqu'il y avait le même serveur que 5M, le même logiciel que 5M pour Red Dead, mais c'est pareil. Quand il y aura la fibre, on fera ça, les gars. Quand on aura la fibre, je vous le dis, il y aura 3 jeux en même temps. Ce sera la catégorie Twitch, il y aura DBD là, tu vois. Ici, on fera du RP, là, tu vois. Et là, on fera du Star Citizen. Ah oui, parce qu'il y a Star Citizen aussi, parfois, sur la... Et là, je rajouterai des écrans pour regarder les streams des collègues et tout, quoi, tu vois. Et je te dis que la fibre, ça va passer dans les tuyaux. Moi, je te le dis. Enfin, bon. On n'en est pas là. C'est pas mal ce petit build. On va le garder de toute façon. Et pas le choix. Je vais pas vous faire des minutes de toile. Oh, il est pas bloqué. Ah oui, si, ça y est, il est bloqué. Allez, on fait de la toile Lidl, c'est-à-dire discount. On dépense le moins d'argent. On fait la toile Dora. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Châtiment, ça me tente, châtiment. C'est bof, ça. Hein. Pas celui-là. Pas tempête impitoyable. Si. Non, je sais plus lequel. Non, c'est les trois perques de l'homme Rio, c'est les flagellateurs, là. Les crochets flagellateurs qui sont bof. 9 mois à peu près, nous on a bientôt fini les programmations du serveur. Ah, tu es en charge de la gestion du serveur en plus. Donc dès que tu veux venir sur le RP, pas de soucis. Ouais, mais enfin vraiment, c'est je pense que tu le sais, ça prend beaucoup de temps, quoi, tu vois. Mais voilà, tout est une question de fibre. T'imagines si en plus... Non, mais quand j'ai démarré le stream il y a un peu plus d'un an, bah oui, un an et demi là, j'étais... Après, il y avait les confinements aussi. Hein. J'étais là, ouais, on va faire du GTA RP, on va faire du DBD, on va faire du Unshowdown, on va faire du F1 2021, on va faire du NHL, on va faire du MotoGP, on va faire du Star Citizen, je sais pas si j'ai dit... mais tous les jeux du Sea of Thieves, tout... Et puis après, t'as la vie de papa. Et tu te dis, voilà, la première semaine, t'es au taquet, tous les soirs, t'es là. Et au bout d'un mois, il n'y a plus personne, tu vois. Et donc, on le fera, mais voilà. Vous avez vu déjà le nombre de jours aussi, je l'ai réduit parce que j'étais décalqué, quoi, entre le taf, la vie de papa, ça. Hein ? Enfin voilà, je vous raconte ma vie, mais hein, voilà. Et puis une fois, au stage d'été. Voilà, hein, par exemple. Mais voilà, en tout cas, on garde la pêche, t'as vu. Donc c'est cool du coup que tu t'es à fond là-dedans. Moi vraiment, respect, parce que le RP c'est très. Ça peut être très toxique, mais c'est surtout très formateur, je trouve. Dans le sens. Bah, c'est de l'improvisation théâtrale. Moi, je considère ça comme de l'improvisation théâtrale. Moi, j'en ai fait de l'impro, j'ai fait du théâtre. Et vraiment, dans le RP, c'est ce que j'ai retrouvé là-dedans. C'est OK, tu organises une scène et tout, et chacun son rôle. Et c'est vraiment très intéressant de faire ça in-game. Alors, on a le pendu là-bas, celui-là qui est dispo. Et donc, à mon avis, ils sont par là-bas.
J'ai cru voir bouger. Non, tu vas voir qui sont là-bas. Oh, les reflets du soleil, j'avais jamais fait attention. Où vous êtes, les lapinos? Là-bas? Je crois que je t'ai pas vu. Je me suis loupé de télé. Ça aussi. Oh. Oh oui, c'est toi que j'ai vu. T'inquiète. Oh, j'étais pas à côté quand même là. Ok, c'est cool. Ouais, ouais, bonne idée, Zach. Effectivement, c'est une très bonne idée. Vas-y, y a trop de portes à ouvrir ici. Alors ? Ah non, c'est le premier. Ma petite Gilles, ma beauté, viens là ma beauté, oui vas-y, t'as tout à fait raison, c'est ce qu'il fallait faire, moi j'aurais pas fait pareil mais, toi tu l'as fait, y'en a pas un autre à péter là? Allez, claque-moi la palette, s'il te plaît. Vas-y, ma beauté. Ça, c'est la pétresse. Oui, ma beauté. Attention, le flashlight, hein, ma beauté. Viens là. Je veux pas que tu me l'allumes dans la gueule. Oui, oui. Le dédard qui va bien, c'est bien, mais t'as loupé. Le tournant, tu me l'allumeras pas dans la gueule, ta lampe. Allez, viens là, toi. J'ai pas regardé s'il y en avait plusieurs, des flashlights. Il y aurait la palette à péter, là, ça serait intelligent de le faire maintenant. Merci pour les commandes, mon cher... la pétresse... Oh, bien réparé ça. Mais je termine toujours un travail que j'ai commencé. Et toi, t'es pas soigné. Toi, t'es pas soigné. T'es pas soigné. Moi, si t'es pas soigné... Voilà, allez. Ça, c'est des hooks là-bas? On va s'en occuper. Il y a des crochets partout. Il y a moult crochets. Oui, je t'entends. Gilles. Oui, ma beauté. Allez, viens.
suis gentil, hein, je slug pas, hein, mais le cœur y est. Hein. Oui, 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 oui. Où t'es? Où t'es? Ok. Oui. Oh, je te veux, Gilles. Tu vas mourir. Adieu. Va te soigner? Non. Où est-ce qu'elle est passée? Oh, dis wesh, elle est où elle? C'est bien joué. Ah bah non, c'est pas possible ça. Et quand même, hein, ça enchaîne, là. Faut pas les laisser 5 secondes. Hein. Bonne game, encore. J'aime bien quand c'est comme ça. Là, tu vois, il manque le petit chili barbecue, là. Mais oui, j'ai bien fait de venir, hein, on dirait. Hein? J'ai bien fait de passer par là, regarde. On a la cops qui est là, qui va claquer la palette, oui. Non? Et qui se fait brain. Oh là là, c'est facile! Je suis chaud en fait ce soir. Je sais pas ce que j'ai, mais je suis chaud. Sadako! D'accord, on arrive là. Oh non! Non! Le lag! Pas maintenant! Non mais faut t'arrêter toi! Ne t'obstine pas! Allez, on ramasse, ça bloque le gel. T'as vu ça un peu? C'est du firing pas... Oh, pardon, il est bourré par contre aussi. C'est intense, là. Ok. Ah oui, il reste un gène. Oh, 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 oh. Non! J'entends à gauche, hein. Ils sont en train de se soigner, là. Bah non, hein. Mais qu'est-ce... Après, moi, je veux bien dire que je suis chaud, mais... Il y a du débilos, quand même. Ou alors, c'est qu'il y a coup décisif, je sais pas. Faut... Faut s'interroger là. Une fois, deux fois, trois fois les mêmes mécaniques, t'arrêtes au bout d'un moment, tu t'entends autre chose. Donc là, 1, 2, 3.
Je vais pas camper. Je vais devoir camper. Ah oui, il reste plus que L2. Je vais pas retourner là quand même. Oui, elle est là. Tu es parti où ? Bon, écoute. J'ai pas vu si je pouvais la keep ou pas. Pourquoi il y avait trois menus, non ? Bon. Ça va être course à la trappe, c'est ça ? Alors, où es-tu, ma beauté ? Mais elle aura une chance de sortir comme ça. Ah non, il y a... Il y a de la TP facile. Ah ouais, t'es là-bas. Bravo. Sony ou pas Sony? GG. Bravo! Très bien joué. À part 2-3 fois où elle a été vraiment un peu là-bas, là, sur le générateur au fond. Bon, c'est cool! Dites donc! 1, 2, 3. Zach et moi, on est chaud, les gars. Je vous le dis, on est hoche. Et regarde si c'est pas bien timé, ça. Regarde, regarde l'heure qu'il est là-bas. Regarde, regarde, regarde. Là, là-bas, là-bas. Regarde, là-bas. Là, là, là-bas. 8 mars, 22h. GG. Très, très bonne game ce soir de qualité. Et vraiment, à chaque fois, je suis épaté. Il y a des gars comme ça. Moi, j'aime bien jouer comme ça, hein, sans add-on, sans perk et... Frisson, ouais, moi aussi, je prends ça. Course effrénée, non, volonté de faire, ouais. GG, les gars, vraiment. Yeah. Ça a écrit ou pas? Je sais pas si c'est écrit comme ça en anglais. Ouais, moi voilà, c'est des bons gars là qu'on a eu, c'est des bonnes games. Ah ouais, 3000 le pauvre. Ah oui, il a dû avoir peur lui en plus. Oh. Voilà, écoutez. Que de bonnes games. Je suis ravi de cette première soirée. Je suis ravi que ça vous plaise aussi, que vous éclatiez avec vos sadakos de votre côté. Xakata qui est en chaleur. Ah, on peut le dire, hein, c'est bientôt le printemps. Là, il est en train de te faire... de balancer des seaux dans les têtes, quoi. Ah oui, la pétresse qui veille à chaque fois, qui vient, il regarde, il dit « Alors, elle en est où la cagnotte ?» La cagnotte ! La cagnotte, il y a 60 euros à gagner en pépèze pour vous payer des jeux sur Steam, sur PSN, Xbox, tout ce que vous voudrez. Il y a 60 euros à gagner et pour déclencher le tirage au sort, il faut utiliser les points de chaîne comme l'on fait ce soir. Matt, je crois, Zach et la pétresse...
Mettez des points pour ce défi de chaîne en commun. Récompense ces défis de la chaîne de gamingpapa.fr. On est à 74% de l'objectif. Ça va tomber ce mois-ci, les gars. Ça va tomber ce mois-ci. Pour le printemps, ça va tomber, moi, je vous le dis. Il reste 22 jours. C'est bon, c'est large, c'est tranquille. Utilisez vos points de chaîne dans ce défi et dès qu'on atteint les 100%, on fait le tirage au sort. Alors pour ça, pour participer, pensez à vous follow parce que ces tirages au sort parmi les follow, les subs, les gifts, tout ça, les tips, les cheers, les dons, les... Tout, tout, tout. Il faut pas être que viewer, sinon tu participes pas au jeu. Eh oui, mais c'est pas une blague, c'est du vrai, c'est du cash pour tes jeux. 60€ à gagner sur la cagnotte très bientôt, n'hésitez pas à faire, comme l'a dit la pétresse, faire péter vos points de chaîne. Qu'est-ce qu'il me dit la pétresse? Tu pourrais, comme Vark31 ou nous modérateurs, on met oral et ça te lit notre message. Oui, il faut que je vois comment faire ça. Il n'y a pas de souci, mon lapin. On fire ce soir, effectivement, mon cher Lurt. C'est parce que ta présence m'a inondé. J'ai lancé une game? Ah non, j'ai eu peur. De toute façon, comme... Voilà, on va repasser comme ci, comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que tu étais là. Je pense que c'est parce que tu étais là. Ça a galvanisé. C'est le passage de Vark. C'est vous, les lapins. Vous qui êtes dans l'Urk. Vous qui êtes présents sur le chat. Merci à vous. Merci encore à mon Vark. J'y viendrai faire des gros bisous demain, certainement pendant son live. Ouais, demain, je pourrais. En plus, je serai au taf, mais je pourrais. Vraiment, merci. Je suis ravi si ça vous a plu. Ça fait plaisir de vous voir ici. Merci infiniment. Coup décisif s'annule si tu touches un générateur. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Exact. Mais t'es au taquet. Mais comment tu fais, Lurtz? Ce genre de truc, je l'ai là, si tu veux, quelque part. Mais ça sort pas comme ça, tu vois, quand ça arrive. GG à toi. Toi, t'es l'encyclopédie. T'es Wikipédia. T'es Lurtz by Delight Wikipédia. Voilà, on va dire. D'accord. Tu pourras changer ton pseudo, s'il te plaît. Non, bravo, Lurtz. Tu vois, tout ça, je sais pas. Mais c'est vrai que si tu écoutes souvent, si tu regardes souvent les lives de comment il s'appelle déjà? Tu sais, le mec, il a vraiment Alzheimer, quoi. De Varg. Ah, non, je sais très bien son prénom, mais je l'oublierai pas. C'est vraiment le gars qui m'a... Vraiment, si vous saviez tout ce que Varg m'a apporté sur le stream, sur Twitch, sur DBD, mais vraiment tout, je lui dis souvent et je parle de lui autour de moi quand je peux et tout. Mais voilà, j'ai déjà oublié ce que je voulais dire. Oui, en regardant souvent les streams de Var, vu que lui, il connaît parfaitement les pairs, c'est sûr que t'en apprends beaucoup. Moi, le problème, c'est que comme je bosse en même temps, en général, quand je regarde ses lives, j'écoute hein, ce qu'il dit, mais je retiens pas, quoi, parce que je suis sûr d'autres choses à la fois, de la compta, de la vente, peu importe. Mais tu as raison, effectivement, il était, elle touchait le générateur, donc le coup décisif tout à l'heure. Je vois à quel moment tu as écrit ça. Petite question, est-ce qu'on pourrait faire de l'APP la prochaine fois? Exactement, la pétresse. C'est ce que ton collègue modérateur Matt m'a demandé. Et je lui ai dit samedi 23h, on se fait de l'APP, ou plutôt, pardon, Game Viewer. Et si vous êtes assez nombreux pour faire une équipe de 5, Lurtz, tu es le bienvenu aussi si tu veux. Plus on aura de monde, plus on pourra tester toutes ces mécaniques du nouveau DLC. Je te jure, Lurtz, je te jure. Je suis content d'avoir participé au raid. Et ben, je suis ravi que tu sois ravi d'avoir participé au raid et j'espère que tu kifferas tout ce que tu pourras voir ici. C'est le fait de jouer des deux côtés, ça aide. Oui, aussi, c'est vrai, t'as complètement raison. C'est pour ça, quand tu disais tout à l'heure que tu étais un joueur mixte, moi j'ai commencé des BD pour Freddy, parce que j'adore Freddy, et pour le jeu, je trouvais l'idée sympa, et Freddy. Donc j'ai fait que du Freddy, et aujourd'hui, tu vois, je suis un peu, tu vois, dans mon zone de confort avec Freddy, donc j'ai un peu du mal à aller vers d'autres tueurs. Et encore plus de mal à aller vers le survivant. Mais, le peu de game survivant que j'ai fait, ah mais... contre des Freddy notamment,
de voir ce que ça implique, ce que tu fais avec les fausses palettes, avec toutes ces choses-là, tu vois. C'est vraiment très enrichissant. Et c'est pour ça que là, sur ce PTB, j'avais joué du Yoichi pour voir un peu de l'autre côté ce que ça fait. Parce que des fois, tu lis le texte de la perque, tu comprends pas tout, quoi. Et de jouer, c'est top. Ouais, t'as tout à fait raison. Ce mec est génial. Varg est exceptionnel. Moi, je comprends pas pourquoi. Et c'est déjà très bien où il en est, mais il devrait être avec... un nombre de joueurs multiplié par 10, voilà, il devrait être dans le... Il va y arriver, il faut vraiment souligner la qualité de stream de mecs comme lui pour que ça monte. Il faut qu'on lui donne de la force. Moi, allez voir sa chaîne YouTube aussi, très intéressante. Même là, il fait des shorts sur YouTube, sur TikTok. Je suis mort de rire l'autre fois, là, les deux tueurs qu'il y avait. Enfin bref, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Pourquoi ? Parce que c'est du vrai. Le gars, quand il te parle en live, il joue pas. Et tu sais pourquoi ? Et je pense savoir pourquoi. Parce que souvent, les gars comme lui qui ont bossé dans les bars comme ça, ils sont comme ça. Moi, j'ai des potes qui sont patrons de bar, barman, etc. Voilà, c'est du vrai, c'est du costaud, il te dit les trucs. Parce que Varg, des fois, tu lui casses les bonbons, c'est toujours dit gentiment, calmement, mais le message est clair. Et c'est pour ça, même sur le jeu et tout, il est exceptionnel. C'est un très bon animateur, un très bon joueur, il a le skill et tout, quoi. Il est vraiment génial, t'as raison. Ouh là là, la décadence, la pétresse, c'était pour tester la nouvelle tueuse. Mais bien sûr, tu l'as acheté, c'est bon la pétresse, t'es chaud ? T'as eu des games sur les maths. Oh putain. Putain, tu vois, c'est jour et la nuit, hein. Moi là, ce soir, et tu sais que des fois on les accumule, hein. Non, ce soir, moi, ça a été cool. Zach, ça a l'air d'être chaud. La pétresse, t'as joué ce soir un peu trop ou pas? Non, exceptionnel ce soir. De très belles games. Waouh. Et je dis pas ça, je l'ai compté, tiens, on va faire les stats là, les dernières stats, je les ai comptées les dernières stats ou pas, avec mon petit compteur de kill, non, j'ai pas compté la sixième game, combien j'en ai tué là, 3, on est à 19 kills sur 6 games, écoute, la moyenne est respectée. J'essaye de faire mon adepte, mais c'est chaud. Écoute, tu vois, des fois, c'est comme ça. Moi, je l'ai fait dès la première game, là. Et, ah, putain, c'est nul. Bon, faut pas trop te prendre la tête, hein, tu le sais. Moi, je dis ça, je suis le premier à tilter, mais... faut pas trop prendre la testasse avec ça. Samedi, on en fera. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi les gars, hein, je le dis pas à chaque fois, mais ça me fait penser, Lurt s'en a parlé tout à l'heure, il est sur Steam. Qu'est-ce que je fais? C'est pas ça que je veux moi. Mais sur Steam, ajoutez-moi, hein, parce que des fois je suis offline, mais s'il y a moyen de faire des petites games entre nous, ça sera avec grand plaisir. Voilà, on se remet comme ci, comme ça. Ils ont amélioré le SBMM. Ouais, ça fait une moyenne de 3 kills par game à peu près. Bah, tu vois, vu que j'ai fait une game au début 4 kills, j'ai dû en faire 2, 3, 4 kills, une à 0, et puis après du 3 ou du 2. Donc oui, la moyenne est bonne. Mais vraiment, celle à 0, elle était intense, quoi. Et c'est pas grave, quoi. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, ce qui compte, c'est pas le nombre de kills, c'est juste une stat, hein, effectivement, mais... C'est le nombre de points. Le nombre de top 1, pour moi, je considère, c'est au nombre de points. Il faudrait que je fasse un petit truc pareil, là. Pour compter le nombre de fois où je suis en nombre de points de sang devant. Après, voilà, l'autre jour, comme je vous disais, avec le glyphe blanc, tu te prends une majoration de 25 000 points. Donc, c'est un peu biaisé, mais... un chili barbecue, ça te fait monter très vite en points aussi. Même survivant, je crois qu'il y a 2-3 paires qui permettent d'aller plus haut. Mais c'est pas grave, c'est les actions qui comptent. Bref, soit ils ont amélioré le SBMM, soit c'est moi qui joue comme une quiche.
Après, tu sais que le SBMM, il varie selon les tueurs. Donc, au début, comme c'est un nouveau tueur, t'as pas de SBMM. Donc, je pense que ça peut être... tu prends un peu n'importe qui, je pense, tu vois. Ou alors, je sais pas, est-ce que... J'en sais rien. Moi, ce soir, là-dessus, t'as vu, j'ai l'impression... Je sais pas quel rang on est passé, du coup. On était... Ouais, on est passé bronze 1, alors qu'on était... 2, je crois. On a du pipe sur 6 games, c'est ça? Ça voudrait dire qu'on aurait pu piper 5-6... Ouais, peut-être 5 fois... Je sais pas. Mais effectivement, il faudrait regarder le replay, mais je crois que j'étais bronze 2. T'es quel rang, toi aussi, Matt? C'est ça, aussi? T'es peut-être pas... Il me semble que t'es au-dessus, toi, que bronze. T'es pas argent ou or, un truc comme ça? T'étais or l'autre fois qu'on a... Non? Il y a ça aussi, hein. Je pense que ce soir, là, je suis en irisé ou en or. C'est pas la même, hein, tu vois. Mais bon, en tout cas, c'est le kiff, ce jeu. Je suis content. J'adore toujours ce jeu. Mais vraiment, irisé, tu vois. Donc, Matt, c'est normal aussi. T'as du lourd en face de toi, c'est pas les mêmes games que j'ai eu là, tu te serais baladé, je pense. Donc, ouais, non, très bonne... Ce qui est bien, c'est que par rapport au PTB, ils ont pas trop buffé ou nerfé le tueur. Des fois, il y a des grosses différences. Je me souviens du Deathslinger, il y avait une grande différence entre... Même le Trickster, je crois, il était vraiment, vraiment nerfé à la sortie. Mais là, ils ont même juste l'allonge. Ou alors, c'est parce que je laguais beaucoup, j'en sais rien quand je faisais le PTB. Mais là, je trouve qu'elle était très très courte, l'allonge de coups de Sadako. Là, elle est un petit peu plus longue. C'est pas du Freddy encore, mais elle est bien. Ouais, puis tu vois, elle me fait ça au moment où je lui dis ça, c'est bon, elle me fait flipper là, ce screamer là sur le lobby. Enfin, les lapins, j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Merci à vous en tout cas pour votre présence. Rien que ça, c'est un plaisir pour moi, vos échanges. Merci de vous exprimer dans le chat. Merci aussi si vous êtes timide d'être en lurk et de rester, ça fait grave plaisir. Vous êtes des amours. Moi, je suis Golden Tueur et survivant. Le mec, il joue depuis 3 mois. Il est gold partout. GG. Tu dois le poncer, le jeu. Hein, mon lapin? Tu as dû le poncer, toi. Écoute, merci pour la détente. C'est un plaisir. Ça dépend beaucoup de qui j'ai en face. Hein. Pendant les games, il y a des fois où je suis pas aussi détendu. Mais là, c'est vraiment... un grand plaisir. Tu joues tous les soirs. Et ouais, tu vois. Qu'est-ce que j'aimerais. Quand je l'ai eu, effectivement, tous les soirs, même, je pouvais jouer jusqu'à... C'était sur PS4, hein, en plus, à l'époque. Mais avec le PC, maintenant, tous les jours... Regarde, là, je suis en train de penser à Elden Ring. Non, faut que j'aille me pioter, là. Je vais pas mettre les mains dans Elden Ring maintenant. On est mort, sinon, demain matin. En tout cas, mes lapins, je vous remercie énormément. De gros bisous à vous, passez une excellente soirée. Rendez-vous samedi, je vous remets le petit plainage. Parce que même moi je l'ai oublié. C'est le nouveau, c'est l'ancien, ça c'est l'ancien. In-game, tac, on remet le planning vidéo, comme ça, ça va mieux. On se retrouve là, samedi 23h, 23h, ici, tu le vois. Hop, c'est le Trickster, hop, salut le Trickster. On se retrouve samedi 23h pour des Game Viewers. Et des parties perso, si on peut le faire. Et puis, d'ici là, passez une excellente semaine avec Sadako. Pas trop de cauchemars, les gars. Tiens, je vais peut-être me mater le film ce soir, pour se replonger dedans. Ouais, un petit ring ce soir. Ouais, je sens bien comme ça. Passez une excellente soirée. Rendez-vous à samedi. Bonne fin de semaine à vous. Gros bisous à vous. Passez de belles journées également. Bisous, ciao. Ah oui, puis j'oublie à chaque fois. Chez qui je vous amène, les gars? On va regarder ça. Ne bougez pas. On va aller voir chez qui on va aller. Ah non, mais j'oublie, moi, à chaque fois. Qui c'est qui est présent?
Qui c'est qui est présent? Il doit y avoir Sopalin. Il doit y avoir Sopalin dans le coin. Alors, sur du DBD, parce qu'il doit y en avoir du monde là, sur des... Oh, il n'y a personne chez les copains là. Si, Kitsi. Mais oui, on va aller voir Kitsi, la gentille Kitsi. Les lapins, je vous envoie voir la belle Kitsi, la gentille Kitsi. Vous lui faites de gros bisous, vous lui dites un grand bonjour. Hein. Vous savez ce que vous avez à faire hein, quand vous arrivez sur un site. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été présent encore une fois. Envoyez-lui plein de bonheur aussi à la petite. La petite, elle est balèze, hein, vous allez voir. Elle fait du DBD, elle dessine extrêmement bien, mais pourquoi ça marche pas? Oui, je comprends pas des fois, Tish. Elle fait du dessin parfois aussi en live, style manga et tout. Balèze, la petite. Je dis la petite, moi, tu sais. Hello, Kitsi. Pourquoi je la vois pas? Elle veut pas les... Elle veut peut-être pas les raids? Ou c'est moi qui écris mal son pseudo? K-I-T-Z-I-E. Ah, oui. C'est moi qui écris mal, c'est avec un Z. La voilà! On lui fait un gros bisou quand on arrive, on lui souhaite un bonne game. On est poli, quoi, en fait. Mais vous le savez, les gars, de gros bisous, ciao, passez une excellente nuit. Bisous à vous, ciao.